On attend encore 2-3 minutes avant de démarrer notre table ronde. Il y a encore, je crois, des gens qui souhaitent... La parole à Karine qui a deux informations à vous communiquer concernant le festival. Bonjour messieurs, dames, Karine Poulalion, je fais partie de l'équipe municipale en tant qu'adjointe à la culture et au patrimoine. J'ai donc deux infos à vous passer. La première, vous savez qu'on a tenté d'organiser ce festival autour d'une philosophie ou en tout cas d'une pratique d'éducation populaire et nous vous avons donné un papier à l'entrée. Il y a une urne à la sortie, qui est d'ailleurs l'une de vote que nous utilisons pour les élections. Eh bien, il s'agit de se dire, ben voilà, l'équipe municipale a besoin de ses citoyens, a besoin de savoir quels sont leurs avis sur ce qui vient de se passer pendant 2 jours et demi. On a fait un festival pendant 2 jours et demi. On compte bien agir pendant les 363 jours qui restent de l'année. Et on a besoin de vos idées, on a besoin de vos remarques, on a besoin de vos propositions. Donc voilà, ce papier est à cette destination-là. Si vous voulez bien nous laisser vos noms et téléphone ou mail pour qu'on puisse reprendre contact avec vous si on a besoin de monter des groupes d'action projet, ce qu'on appelle les GAP, pour justement passer à l'action. Et la deuxième info que je voulais vous passer... À la sortie, il y aura une librairie qui sera installée juste à la sortie de la salle, avec notamment les ouvrages de Nathanaël Wallenhorst, qui, s'il veut bien, pourra éventuellement les dédicacer. Donc, si vous voulez bien, ça sera, on ne pourra pas sortir par là, sortir par là-bas. Et puis, si vous voulez acheter un livre, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue donc pour cette table ronde qui vient clôturer en quelque sorte ce festival des transitions, qui est le premier festival que nous organisons donc autour de l'idée de sensibiliser à la fois le public aux enjeux majeurs liés à la crise bioclimatique. Et puis l'idée, c'était également peut-être après d'ouvrir d'autres perspectives,
notamment avec cette idée de recueillir aussi effectivement des propositions d'action, des initiatives. L'idée étant de sensibiliser en fait l'ensemble des habitants, des citoyens, pour concrètement ensuite agir et relier en quelque sorte l'esprit à la main et la main à l'esprit. Quelques mots pour présenter nos deux invités que nous sommes ravis et honorés d'accueillir sur ce festival. Quelques mots dans un premier temps pour présenter Delphine Bateau. Vous la connaissez sans doute. Donc Delphine Bateau est une femme politique qui a occupé des rôles de premier plan dans le gouvernement de François Hollande. En 2012, elle a tout d'abord été nommée ministre déléguée à la justice dans le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avant de devenir ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Mais comme la plupart des ministres de l'écologie, c'est un poste qu'elle n'occupera pas forcément très très longtemps. À nouveau députée dans les Deux-Sèvres depuis 2013, elle est réélue en 2017. Elle assure aujourd'hui la présidence de Génération Écologie et est l'une des rares personnalités politiques à parler ouvertement et à défendre l'idée de décroissance. Et rien qu'à ce titre, je crois que c'était très important de l'entendre évoquer ce sujet. Elle a également publié en 2019 un manifeste pour une écologie intégrale où elle plaide pour un renversement politique radical pour faire de l'écologie le centre névralgique de toutes les politiques publiques. Et je crois que c'est aussi une démarche qui mérite qu'on l'écoute. Quelques mots également pour présenter Nathanaël Vallenhorst. Alors avec Nathanaël, nous sommes en présence d'un triathlète dans le domaine de la recherche universitaire, puisque Nathanaël est docteur en sciences de l'éducation, docteur en sciences politiques et docteur en sciences de l'environnement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'éducation, l'écologie, la politique, et où ces trois thématiques se croisent. Nous l'avons aussi invité en tant que spécialiste de la question de l'Anthropocène, et c'est cette thématique que nous allons développer au cours de cette table ronde. Mais il est aussi un fin connaisseur des discours et des manifestes politiques autour des récits qui s'affrontent aujourd'hui sur le sujet de la planète en péril. À cette occasion, je voulais aussi saluer une connaissance commune entre nos deux invités, qu'ils connaissent bien et qui ont travaillé avec lui. Il s'agit de Dominique Bourg, que nous voulons ici remercier notamment pour la qualité de ses réflexions sur la pensée écologique et son engagement politique actif, notamment aux européennes de 2019, aux côtés de Delphine Bateau. Puis, à cette occasion, saluer également la mémoire et l'œuvre d'un grand penseur de l'écologie, Monsieur Bruno Latour, dont la pensée originale et féconde nourrit nos utopies parce qu'elle nous invite à atterrir sur Terre et à prendre soin de Gaïa. La table ronde va se dérouler de cette façon. Dans un premier temps, nous allons écouter et entendre Nathanaël décrire un état des lieux pour poser un cadre commun qui nous permettra d'avoir une vision commune en fait, de la problématique de la crise bioclimatique. Puis nous laisserons la parole à chacun de nos deux invités, libre à eux en fait de parler des sujets de leur choix. Ah, voilà. Et puis on laissera ensuite interagir nos deux intervenants, peut-être autour de deux ou trois questions. Pour, et c'est aussi l'intérêt d'une table ronde, vous laisser réagir, intervenir avec toutes les questions que vous allez pouvoir poser à nos deux invités. Voilà, je laisse à Nathanaël le soin de commencer cette présentation. Bon, bonjour. Ça marche ? Bon, super. Bon, bonjour. Un grand, grand merci pour votre invitation. Et puis je suis impressionné, en tout cas, par le festival. Voilà, toutes les personnes qu'on peut voir, croiser, etc., autour d'un festival portant sur les transitions, c'est vrai que c'est réjouissant, quoi. C'est réjouissant, puis je voulais juste commencer par là, parce qu'on va avoir 20 minutes qui ne vont pas être réjouissantes. Voilà. Mais pour explorer ces 20 minutes, c'est particulièrement important de demeurer quand même planté dans ce qui est réjouissant, dans ce qui bouge, dans ce qui avance, dans toutes ces utopies qui sont mobilisatrices, qui nous font voilà, nous lever, nous battre. Voilà. Et puis je reste marqué là, ces derniers temps, peut-être vous avez vu monter une figure là, qui est Camille Etienne, une jeune. Voilà. Et Camille Etienne, qui est une jeune militante activiste pour le climat. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir combien elle ne perd pas espoir, ou plutôt elle choisit délibérément de s'ancrer
dans l'incertitude. Voilà, le pire n'est jamais certain, nous disent Catherine et Raphaël Larrère, deux auteurs contemporains. Le pire n'est jamais certain, et si on demeure là-dedans, dans cette incertitude, et qu'on se bat, et qu'on se bouge, et qu'on, etc., et ben le meilleur peut aussi advenir. Voilà. J'avais vraiment envie de pouvoir poser ça. Et puis maintenant, ben de fait, on est parti pour 20 minutes d'état des lieux du système Terre, pour pouvoir identifier le réel qui est le nôtre aujourd'hui. Et alors cet état des lieux, je vais le faire à partir... peut-être c'est un poil fort, non ? J'en sais rien, mais... Non ? Ok, nickel. Cet état des lieux, je vais le faire à partir d'un moyen, d'un mode très particulier, qui est une revue de la littérature. Alors en fait, les chercheurs, ils aiment bien faire des revues de la littérature. Revue de la littérature, ce n'est pas Proust, machin, etc. C'est de faire un état des lieux des grands articles scientifiques qui ont été publiés ces dernières années. Je vais remonter à une quinzaine d'années en arrière. J'aurais pu remonter à 150 ans, mais là, je vais remonter juste à 15 ans en arrière. Et puis, simplement présenter ces articles, ce qui a été produit comme type de savoir. Et pour moi, c'est important d'utiliser cette médiation des savoirs scientifiques, parce que sans cette médiation-là, on n'est pas dans le réel. Et la tentation est grande de croire être dans le réel uniquement à partir de la médiation de nos sens. C'est-à-dire, l'été dernier, on a eu chaud et sec. On a eu chaud et sec. Et la couverture médiatique l'été dernier de la crise, de la canicule et de la sécheresse 2022, ça a été, ça y est, on a eu très chaud, on a compris. Bon, on a compris que dalle, hein, en fait, on a juste compris qu'on avait chaud, qu'il y avait 2-3 rosiers qui étaient par partie, mais fondamentalement, ça ne nous explique pas l'organisation et le fonctionnement du système Terre. Voilà. Donc on est parti. Est-ce que c'est possible de lancer le... Ouais, super. Donc j'ai juste pendant... C'est 20 minutes, mais maintenant il m'en reste plus que 15. Hop, un petit PowerPoint. Il n'est pas tellement là. Je vais juste projeter comme ça quelques captures d'écran des articles de ces dernières années. C'est pas là pour que vous puissiez lire. Vous allez voir, c'est écrit en tout petit. C'est pas là pour que vous puissiez lire toutes les affaires. C'est simplement là pour que, si jamais vous me croyez pas, et vraiment, je vous encourage à ne pas me croire, c'est-à-dire en fait à exercer votre fonction critique de la façon la plus radicale possible, bah, allez voir là-bas. Parce qu'en fait, tout ce que je vous raconte, c'est écrit quelque part et quelque part à un endroit qui a été. On peut se déplacer ou la captation. Ça va ? Ouais. Ah ben, je vais me servir de la petite marche. En fait, donc ça, c'est... On se retrouve en 2009. En 2009, il y a un type, Rockstrom, il rassemble ses copains, et puis il propose une modélisation, qui est une modélisation théorique, pour essayer de donner à voir, à comprendre, à sentir le système Terre. Voilà, la façon dont ça fonctionne, tout ce qui va organiser la vie sur la Terre. Et alors, en général, les scientifiques ne sont pas des très bon communicant, c'est pas des grands marketeurs. Lui là, il a été pas mal. En fait, il nous dit le système Terre, c'est un truc assez complexe, et on va réduire sa complexité à 9 grands processus écologiques. Il est la résultante de ces 9 processus là. Et si on les force trop, il y a des processus qui peuvent casser. C'est-à-dire, on peut franchir des seuils. Un seuil, c'est un passage brusque et irréversible, sans retour en arrière possible, et qui réorganise ensuite l'ensemble de la façon dont on peut vivre ensemble sur la Terre. Voilà. Et alors, en fait, ils nous disent la chose suivante, c'est-à-dire que, donc, imaginez les 9 processus, là, et puis le seuil, on va dire, le seuil, c'est, imaginons qu'on soit sur un quai de gare, là, voilà, là, il y a un train qui passe, j'ai un poil glauque, hein, sorry, mais du coup, voilà, à un moment donné, si on franchit un seuil, on arrive dans quelque chose, une réalité qui est complètement différente, voilà, bon, si le train passe, on est mal barré, et en général, 50 cm avant de franchir le seuil, ben, on a une petite ligne jaune, et puis en plus, il y a des petits, vous savez, les petits granulés, là, hop, on sent qu'à un moment donné, si tu es en train de faire ton texto, ça te dit, oh là, gars, attends, recule un peu, là, tu es en train de te rapprocher d'un endroit dangereux, et il y a une limite. Et donc, ils nous disent, en fait, avec ses collègues, là, ils se disent, mais bon, c'est dangereux si on franchit les seuils, on va positionner une limite, et la limite, on choisit entre nous de la mettre à un endroit ou à un autre pour pouvoir laisser le temps aux sociétés humaines. Comme il y a une inertie, on voit bien, hein, je veux dire, quand on est lancé pleine balle, là, comme on l'est aujourd'hui, toutes nos sociétés, entrer dans un régime de décroissance, ça ne se fait pas en deux-deux. Hein. Donc en fait, voilà, ils nous disent, si on franchit la limite, il faut laisser le temps aux sociétés de hop, pouvoir revenir en arrière, et revenir dans quoi ? Dans un espace d'action sécurisé.
Et donc, voilà en gros la modélisation, on va dire, théorique des limites planétaires. Et donc, en 2009, ils nous disent, mais il y a déjà trois limites qui sont franchies. Ça ne veut pas dire que les seuils sont franchis. Voilà. Le changement climatique, la biodiversité et l'anthropisation des sols, la façon dont on a transformé les sols à l'avantage des sociétés humaines. Il y a une petite réactualisation en 2015, assez intéressante. Elle complexifie vraiment le modèle théorique. Elle nous dit, mais en fait, il y a une autre limite qui est franchie, c'est celle des cycles biogéochimiques. Alors on peut se dire, ouais, c'est un peu balèze, ouais, c'est de l'azote et du phosphore. Et en fait, d'avoir altéré le cycle de l'azote et du phosphore, c'est deux éléments qui sont indispensables à la vie. Et donc, ça veut dire, ah, l'organisation, le déploiement, la floraison de la vie dont on a l'habitude dans notre monde, elle est altérée, elle se réorganise. Ensuite, en 2022, on a deux articles qui proposent à nouveau une réactualisation. Un premier qui nous dit, mais en fait, il y a une autre limite qui est franchie, c'est celle des pollutions chimiques. Et puis un autre encore qui nous dit, le cycle de l'eau, et tout particulièrement le cycle de l'eau verte, est altéré. Alors l'eau verte, c'est quoi? C'est tout simple, c'est la capacité qu'ont les sols à retenir l'humidité. Ça fait un peu flipper, enfin, de se dire, tiens, les sols ne retiennent pas l'humidité de la même façon qu'ils ont retenu l'humidité toutes ces dernières centaines d'années, on va dire. Et donc on imagine tout de suite la façon dont ça vient aussi avoir une incidence sur nos rendements agricoles, en fait, hein, tout simplement. Voilà, il y a un article qui est sorti il y a deux semaines, qui propose une modification, qui refait les calculs. Il nous disait qu'il n'y a pas neuf limites, il y en a huit, et en fait, il y en a sept qui sont atteintes. Et ils introduisent quelque chose qui est vraiment hyper intéressant, que d'autres auteurs avaient introduit, c'est l'idée de justice. Voilà. Et donc, du coup, ils élargissent leur modèle biogéophysique, on va dire, aux sciences humaines et sociales, et c'est assez intéressant. Alors ensuite, donc c'est des éléments dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Barnowski en 2011, là je vais faire que de me rapprocher de 2023. Barnowski en 2011, il publie une étude qui aura été particulièrement marquante, et ils nous disent, mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'entrer dans une sixième extinction de masse? Il pose la question, il étudie le courbe d'extinction des espèces. Et il nous dit, mais en fait, si les courbes se prolongent d'ici quelques centaines d'années, il y a plusieurs indicateurs de calcul, parfois ça fait 200, parfois 500, on serait, une sixième extinction de masse des espèces serait avérée. Et alors, c'est quoi une extinction de masse? C'est la perte de 75% de la biodiversité sur une échelle temporelle relativement courte à l'échelle géologique, c'est-à-dire 2 millions d'années. Et nous, Homo sapiens, on est là depuis 0,35 millions d'années. 350 000 ans, quoi. Et voilà, et donc ça veut dire, en quelques centaines d'années, Homo sapiens pourrait avoir atteint, pourrait avoir généré la disparition de 75% de la biodiversité. Alors ça, on a eu plusieurs papiers dans Le Monde là, ces derniers jours là, qui renvoient à certains égards à ça. En 2014, on a Lucienne Agathy. Donc, à chaque fois, vous voyez, moi, je suis hyper sensible à ça. Là. C'est-à-dire, un papier qui est paru dans Nature, dans Nature ou dans Science, de fait, c'est assez solide. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. En tout cas, c'est une littérature moi, qui n'est pas sans effet sur moi. Lucienne Agathy, elle propose un bilan carbone des forêts du bassin amazonien, ce qu'on appelle la forêt amazonienne. Et elle compare l'année 2010... exceptionnellement sèche, à l'année 2011, exceptionnellement humide. Et elle nous dit, mais en fait, lors de l'année exceptionnellement sèche, les forêts du bassin amazonien ont émis davantage de carbone qu'elles n'en ont fixé. Et lors de l'année exceptionnellement humide, le bilan est neutre. Et ensuite, depuis 2015, le bilan est excédentaire. Voilà. Donc, les forêts du bassin amazonien émettent davantage de carbone. Et puis on a eu une étude là, récente sur les forêts françaises, où en fait, en fonction des régions, certaines forêts demeurent ce qu'on appelle un puits de carbone, captent du carbone, et puis d'autres émettent davantage de carbone qu'elles n'en fixent. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'on a toujours appris quand on était petit, hein, et là, tout ce dont on va parler, c'est des choses qu'on n'a pas appris quand on était petit, en fait. Hein, voilà. C'est ce qui fait que c'est marquant, ça répond à d'autres logiques, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, le climat autour des forêts du bassin amazonien devient plus chaud et plus sec, et donc la photosynthèse,
la respiration des plantes est moins ample. Donc en fait, il y a une moins grande captation de carbone et puis moins d'émissions d'O2. Premier truc. Deuxième truc, il y a des arbres qui décèdent sur place du fait du stress hydrique, du manque d'eau. Troisième truc, quand c'est sec, ça flambe. Voilà. Donc quand ça flambe, vous voyez bien que le carbone patiemment stocké dans un tronc, il est relâché dans l'atmosphère. Puis quatrième truc, on a déforesté beaucoup, enfin on déforeste beaucoup, puis on plante des bœufs à la place de planter des arbres. Et puis un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone. Quoi. Voilà. En gros les raisons. Ça veut dire un truc important, c'est-à-dire que toute la vie humaine en société qui repose sur la symbiose entre la vie végétale et puis le déploiement de nos sociétés est en train d'être rééquilibrée, fragilisée. Alors, ça c'est pour une blague, mais une blague qui n'est pas marrante du tout. Là, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud, mais ça passe. S'il fait un peu plus chaud, on va se mettre à transpirer beaucoup. Si on monte encore la température, on va transpirer beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a notre corps humain qui maintient notre température corporelle à 36-37 degrés. Et pour ça, quand on a un excédent de chaleur, on lui fait faire un travail. Et le travail, c'est la transformation de l'eau en vapeur d'eau. Et cette transformation-là, elle permet d'évacuer la chaleur, hein, tout simplement. Alors maintenant, si on était ici dans un environnement qui était saturé en vapeur d'eau, c'est-à-dire s'il y avait 99-100% de vapeur d'eau ici dans la pièce, ça ne marche pas. On ne peut pas fourrer plus de gaz, donc vapeur d'eau. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? La température monte et c'est notre température corporelle qui monte. Voilà. Et quand on est pendant plusieurs heures, enfin 6 heures à peu près, quand on demeure 6 heures dans un contexte où la température humide, c'est-à-dire la température, température avec l'air saturé en vapeur d'eau, est de 35 degrés, il y a un décès qui survient par hyperthermie. Ça, c'est important parce qu'on entend souvent quand même le truc, les humains sont des génies quand même, on va s'adapter. En fait, il y a des limites physiologiques à l'adaptation. Et puis ensuite, d'autres articles comme ça dans la foulée qui nous disent, mais en fait, aujourd'hui, 30% de la population humaine est confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse, pas mortelle au-delà de 35, mais à partir de 31 degrés de chaleur humide. Donc, il y a 30% de la population qui est confrontée à ces 20 jours-là. Ça ne veut pas dire que les 30% meurent tous les ans, ça on aurait été informé. Mais on rentre dans un moment où, délicat, où il faut faire attention. Et dans un scénario où on serait un peu dans un business as usual, c'est-à-dire où on continuerait comme ça le déploiement de nos sociétés, d'ici de 2100, on serait confronté, 74% de la population humaine serait confrontée à ces 20 jours annuels de chaleur dangereuse. Ça donne juste un ordre d'idée de l'ampleur des vagues migratoires qui nous attend au cours du siècle. Alors, Ceballos, un biologiste mexicain, il fait quelque chose d'intéressant. Il reprend d'une certaine façon et s'inscrit dans le travail de Barnowski 2011, le biologiste qui nous disait « Est-ce qu'une sixième extinction de masse ne serait pas déjà advenue ou en train d'advenir ?» Et lui, il a pris un autre indicateur. Plutôt que de regarder l'indicateur d'extinction des espèces, il a regardé celui de l'extinction des populations. Une population, c'est le positionnement d'une espèce dans une zone géographique. Ici, à Muret-Rigné, il y a plein de populations. Enfin, il y a vous, il y a la population, et puis il y a des populations d'espèces. Et en fait, en changeant de regard comme ça, et de regarder l'effondrement des populations, donc certaines espèces ne sont pas des espèces en voie d'extinction, mais leur population diminue de façon considérable. Il nous dit, mais en fait, on n'a pas affaire à la sixième fois que. Parce que de fait, le modèle de Barnowski, il nous situait comme ça dans l'histoire du vivant, depuis à peu près 550 millions d'années, et il nous disait, c'est la sixième fois qu'il se passe un truc un peu costaud. Là. Alors, c'était la première fois que c'était la résultante d'une espèce, Homo sapiens. Et là, ils nous disent, on a affaire à une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire de la vie. Donc ils nous disent, non, c'est pas la sixième fois, là, c'est vraiment la première fois et c'est sans précédent. Je continue, c'est pas marrant. On se souvient qu'on est à Muret-Rigné, le festival des transitions, et que beaucoup de mouvements, de soulèvements sont possibles et sont déjà en train d'advenir. Alors, Margot Bador, une jeune Française, 2017,
elle a pris la vague de chaleur de 2003, ce qui était la vague un peu de référence à l'époque. Elle met à peu près plus 3 degrés dans la machinerie climatique, dans ses modélisations. Elle se dit en fait, mais une vague de chaleur comme celle qu'on a vécue en 2003, en 2100, ça donnerait quoi ? 2100 où on serait à peu près à plus 3 degrés voilà, de réchauffement global moyen par rapport à la moyenne de 1850-1900. Alors, à Strasbourg Metz-et-Nancy, il avait fait 42 degrés en 2003. Murée Régnier, je ne sais pas, mais enfin, il devait plutôt faire chaud. Il y en a qui savent. 41, voilà. Strasbourg, Metz-et-Nancy, 42 degrés. Et alors, en fait, avec plus 3 degrés, on pourrait se dire, bah, ça fait 45. Bah, non, en fait, c'est une moyenne. C'est ça qui est difficile à sentir, en fait, avec ce plus. Vous voyez bien, hein, le plus 3, plus machin. Eh bien, dans une vague de chaleur comme celle de 2003, on atteindrait plus 13 degrés. Ça veut dire 55 degrés. Alors, quand j'ai lu ce truc, je me suis dit deux trucs. Premier truc, je me suis dit, mais en fait, 55, c'est quoi ? C'est quoi le record du monde ? J'avais besoin de connaître le record du monde. Le record du monde, c'est 54,8 degrés dans un désert aux États-Unis. Donc, la France championne du monde, quoi, en gros. Hein, voilà. 55 degrés. Et puis, le deuxième truc, je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est des études prospectives. Prospective, c'est-à-dire on regarde devant et on se dit mais devant ça ressemble à quoi ? Alors là, peut-être qu'il y en a certains qui se disent bah ouais une étude prospective mais ça doit être pris pour une étude prospective, c'est-à-dire on n'est pas sûr quel degré de confiance on peut avoir dans une étude prospective. Et là il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on peut regarder rétrospectivement les études prospectives pour voir ce qu'elles ont donné. On va faire ça. Alors si on repart juste depuis 1972, il y a eu une étude importante, le rapport du Club de Rome, avec des courbes. C'est le moment où, enfin, il y en avait déjà eu un peu avant, mais c'est le moment où on a commencé à tracer des courbes qui dessinent un peu un horizon. Puis après, il y a le GIEC qui a pris le relais, tout un tas de courbes, etc. Et bien, en fait, il s'est passé quelque chose de toujours un petit peu pire que ce qu'on pensait. Voilà, ça, faut le savoir, on ne va pas se mentir. Voilà. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, les scientifiques ne sont pas des gros teubés, ce n'est pas des ados qui ont besoin de faire des bras d'honneur ou voilà. Quand ils n'identifient pas l'ensemble des boucles de rétroaction, enfin, quand ils n'identifient pas avec certitude, certaines boucles de rétroaction dans leur modélisation, ben, ils ne peuvent pas les mettre, en fait. Voilà. Donc, ils ont l'intuition que, quand même, machin. Mais, et donc, c'est ce qui fait qu'on est tout le temps... ce qui se passe, en fait, c'est un peu pire que ce qu'on pensait. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut dans la salle, mais j'accorde une confiance élevée dans les études prospectives, à partir du moment où elles ont été validées par les pairs, etc., dans le processus scientifique. Alors ça, c'est, voilà, là, c'est le plus flippant, c'est ça. Alors, c'est un type qui s'appelle Will Stephen, qui est décédé depuis pas longtemps. Là. Je pense que la parution de cette publication n'y est pas pour rien dans la démission de Nicolas Hulot, mais je peux complètement me planter, moi je ne suis pas dans les réseaux politiques. Alors, Nicolas Hulot qui démissionne en direct sur France Inter, etc., avant qu'on entende parler de tout un ensemble d'affaires de viol, etc., le concernant. Qu'est-ce qu'ils nous disent là ? En fait, c'est un peu la même équipe que ceux qui ont travaillé sur le modèle des limites planétaires. Après avoir proposé 9 limites, en 2015, ils ont largement complexifié le modèle en introduisant des limites globales, des limites régionales, etc. Là, en 2018, ils ramassent une forme de simplification de leur modélisation et ils nous disent, en fait, il existe un seuil qui est compris entre à peu près plus 1,5 et plus 2 degrés de réchauffement moyen à la surface de la Terre, qui, s'il est franchi, court le risque de bascule en cascade, ce qu'ils appellent aussi des effets domino. L'image est intéressante, on voit bien, à un moment donné, il y a un domino qui tombe, et bof, ça tombe jusque... Enfin, parfois, quand on joue au domino, ça s'arrête. Hein, voilà. Bon. Et qui, s'il est franchi, court le risque que le système Terre ne se stabilise pas avant quelque chose comme plus 5 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? En fait, ça veut dire qu'à partir du moment où des emballements adviennent, eh bien, les forêts du bassin amazonien continuent de flamber, et il y a un phénomène qui s'appelle la savanisation.
de la forêt amazonienne. Le sol gelé en permanence, le sol alaskais, sibérien, continue de se dégeler. Là, il libère des gaz à effet de serre. Il y a une activité bactérienne qui reprend, qui a une respiration et qui émet des gaz à effet de serre. Tout ça, vous voyez bien, ça participe d'un réchauffement global. Le réchauffement global, il continue de faire flamber les grandes forêts, enfin les forêts du Grand Nord, etc. Il continue de faire fondre les glaces polaires, enfin voilà, arctiques et antarctiques, qui fondant libèrent des gaz à effet de serre, qui participent également d'un réchauffement, etc. Vous voyez bien que dans ces bascules en cascade, à aucun moment j'ai mentionné nos SUV, McDo, etc. Ça se fait sans nous, en fait. Nous, on aura beau, à un moment donné, ne plus anthropiser les écosystèmes, ne plus générer de gaz à effet de serre, à un moment donné, ces bascules en cascade adviennent inexorablement et ne se stabilisent qu'aux alentours de, pas avant, quelque chose comme plus 5 degrés. Alors ça veut dire aussi plus 5 degrés, donc là, j'arrive sur la fin de l'affaire. En fait, c'est incompatible avec la vie humaine en société dans la très, très grande majorité des régions du globe. C'est aussi simple que ça. Ça permet de comprendre quoi ? Comprendre pourquoi il y a des écolos qui crient. Voilà. Quand ils crient, parfois, on a du mal à les entendre, mais de fait, on comprend ce qui les alarme. Ça permet de comprendre aussi autre chose. L'ampleur de l'enfumage politique lorsqu'on nous dit on va s'adapter à plus 2,2, à plus 3, à plus machin. Plus 3 degrés, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont on parle de plus en plus en ce moment, le fameux plus 4 degrés sur le territoire national qui est équivalent à plus 3 degrés au niveau global, et ben en fait, ça n'est pas un état stable, c'est pas un plancher, c'est un moment dans un processus. Donc c'est absolument un non-sens que d'imaginer de s'organiser pour un moment dans un processus qui... Enfin, c'est un non-sens. Ce n'est pas complètement insensé, mais ça renvoie à un couple notionnel du GIEC entre atténuation et adaptation. Mais en permanence, il y a un primat sur l'atténuation par rapport à l'adaptation. Voilà, l'adaptation n'a de sens que si on fait tout pour contenir l'emballement bioclimatique. Et je pense que j'ai fini, en tout cas j'ai dû carrément cramé le temps. Après, voilà, c'était simplement, après, j'arrivais sur les différents rapports du GIEC, voilà, le sixième volet. Bon courage. Non, en tout cas, je cherche à arrêter sans que ce soit trop brutal pour faire une transition, mais... Alors, tout ça, de fait... Ah oui, je veux bien dire un truc, en fait, et une minute, deux minutes... Tout ça, ça a un nom, de fait. Ça a un nom. Le nom, c'est, enfin, ça a plein de noms possibles, hein, climat, biosphère, etc. Entre autres noms, ça a le nom anthropocène. Anthropocène, c'est le nom de la nouvelle époque géologique dans laquelle on entre, du fait de la transformation des conditions d'habitabilité humaine de la Terre et d'habitabilité de la Terre pour l'ensemble du vivant. C'est un mot... un mot scientifique qui renvoie à quelque chose de très simple. Il renvoie aux articulations entre climat, biosphère, les écosystèmes de la biosphère, et société. Et surtout, il renvoie aux trois grands processus qui organisent ces ensembles-là, et duquel la vie humaine en société est tributaire. Le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent, et les sociétés accélèrent. Et donc, on a quelque chose autour de emballement, effondrement, accélération qui ne cesse comme ça de générer un tourbillon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand dans ma vie, j'ai croisé le mot anthropocène, ça m'a déglingué. Je ne pensais pas qu'un mot pouvait avoir un tel impact. Ça m'a déglingué, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai découvert des savoirs, ceux-là dont je vous ai parlé, là, dont j'ignorais l'existence. Et la logique qui leur donne tout leur sens, c'est la logique de rupture. Et c'est une logique qui est complètement différente de celle qui m'a façonné, qui est la continuité. Parce que la logique qui donne son sens au corpus des savoirs scolaires, c'est la continuité. Voilà. Et en fait, la continuité dans laquelle le mythe de la croissance s'encastre tellement bien, voilà, versus cette rupture. Et moi, ça, de fait, ce que je peux vous dire, c'est que ça a généré chez moi de la tristesse, du dégoût, parce que tout ça, c'est la face, ça donne à voir la face sombre de l'humanité. La face sombre, elle s'appelle domination, préemption,
exploitation, creusement des inégalités entre les jeunes et les vieux, les pauvres et les riches, le nord et le sud, aujourd'hui et demain, etc. etc. Et puis ça a généré aussi beaucoup de colère, mais une colère qui peut être vraiment investie de façon particulièrement saine quand elle est mise au service de l'action, quoi. Et c'est, j'ai l'impression que c'est ce qui vous anime. Alors, malgré ce scénario annonçant des ruptures plutôt profondes, on va quand même continuer avec la parole à donner à Delphine Bateau. Bien, d'abord, merci beaucoup de votre invitation à cette conversation citoyenne. Merci à Monsieur le maire et à toute l'équipe municipale et bravo pour cette première édition de ce festival des transitions. Après ce qui vient d'être dit, je pense que la première chose à faire, c'est de parler un peu de nos émotions. Parce qu'on a tendance, alors particulièrement dans l'univers que je fréquente, qui est celui de la politique, à ne pas considérer que les émotions soient un sujet politique, alors qu'elles en sont un. C'est-à-dire ce que nous ressentons comme personne, comme être humain, après ce qui vient d'être dit, doit être mis sur la table parce que c'est bouleversant. Moi, en t'entendant là à l'instant, quand tu dis dans 100 ans, etc., chacun, je pense, chacune et chacun de nous dans la salle est traversé par un certain nombre de pensées. Et qu'en fait, c'est ce que nous ressentons au quotidien quand on voit les images d'incendies actuellement au Canada, quand on vit les vagues de chaleur l'année dernière, quand la Loire est à sec, quand au quotidien on ressent ou on est informé de telle ou telle nouvelle information. Donc, par exemple, cette semaine, c'est la disparition totale de la glace dans l'Arctique qui va générer ce que tu disais sur le permafrost, etc. etc. Et en fait, si on si on n'accueille pas en fait l'angoisse existentielle que cela provoque, le risque est qu'à notre tour, à notre corps défendant, à l'insu de notre plein gré, nous participions de ce qui s'est emparé de la société, c'est-à-dire du déni. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que je pense qu'on en parlera sur un plan politique, des très grandes politiques de déni qui existent aujourd'hui, c'est que le déni est une espèce de, peut être aussi une espèce de mécanisme de sécurité, très ancestral en fin de compte. C'est un mécanisme d'esquive et de fuite parce que la réalité est trop difficile à regarder en face. Et c'est une des explications, c'est loin d'être la seule, mais de ce qui fait qu'on est dans une situation aujourd'hui où la société au sens collectif, le pouvoir, etc., refuse de croire ce que l'on sait. Et qui ne sont pas de l'ordre de la croyance, mais qui est de l'ordre des constats scientifiques énoncés, démontrés, prouvés, vérifiés. Et du coup, je voulais insister auprès de vous là-dessus parce que, bon, d'abord, c'est dur à faire la totalité du tableau, en fait. C'est-à-dire pas juste le problème du changement climatique, puis celui de la biodiversité, puis celui des ressources, etc., mais à faire l'addition de l'ensemble. La deuxième chose, c'est que la notion fondamentale dans ce qui vient d'être dit, c'est celle de limite planétaire. Et qu'en fait, c'est à mes yeux ce qui structure le nouveau clivage politique, la reconnaissance ou le déni du fait qu'il y a des limites planétaires. Et c'est la question du respect des limites planétaires et du retour à une forme d'organisation de nos sociétés respectueuse des limites planétaires qui doit structurer tous les choix, toutes les décisions dans tous les domaines. Donc après avoir parlé des émotions et de ce qui est à mon avis pour moi vraiment le alors on peut prendre
tous les jours des exemples de décisions qui ne tiennent aucun compte des limites planétaires à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, dans les politiques publiques locales, quand on vous parle de, supprimer 400 hectares de terres agricoles et de zones humides pour construire une nouvelle autoroute, de faire des méga-bassines pour stocker l'eau, de remplacer le gaz de Poutine par du gaz de schiste importé des États-Unis. On peut continuer la longue liste, et c'est vraiment le clivage fondamental, la reconnaissance ou le déni des limites planétaires. Il faut donc parler de l'issue de secours. Et l'issue de secours dans cette situation, c'est celle de comprendre, elle est liée à la compréhension en fait, des causes de tout ce qui vient d'être expliqué, qui est assez récent dans l'histoire humaine. Alors, il y a tout un débat sur quand commence l'Anthropocène, mais la grande accélération commence globalement avec l'économie de guerre et les Trente Glorieuses. Bon, il y a plein de débats historiques et de géologues sur le sujet, mais il y a une accélération spectaculaire dans la destruction à partir de 1945 et des années 50. Et elle est liée à l'invention d'un indicateur qui guide toutes les décisions dans tous les domaines, qui est la croissance du PIB, c'est-à-dire d'orienter l'ensemble de l'activité de nos sociétés autour de l'augmentation de la croissance en volume de ce qui est produit et de ce qui est consommé. L'augmentation du PIB, on aurait pu montrer des courbes et des analyses scientifiques, etc., elle est totalement corrélée à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Donc, quand on vient nous dire qu'on pourrait rester dans le même modèle de société que celui dans lequel nous vivons, tout en faisant le nécessaire pour lutter contre l'aggravation du réchauffement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité, c'est comme si vous aviez un médecin qui venait vous prescrire un traitement sans aucun rapport avec le diagnostic. C'est ça la situation dans laquelle on est. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, peut-être on va avoir une discussion sur l'espèce d'impuissance publique, en fait, sur l'ensemble de ces enjeux. Il y a impuissance publique parce qu'en fait, on refuse de considérer pas simplement les effets, c'est-à-dire les conséquences de ce qui se passe, mais quelle est la cause du problème. Et la cause du problème porte un nom, comme l'avait d'ailleurs très bien dit la Convention citoyenne pour le climat, et c'est intéressant que ce soit un processus citoyen avec, composé de plein de personnes qui ne sont en rien des spécialistes ni des questions climatiques, qui disent clairement ce qui explique en fait, depuis des décennies, depuis qu'on a toutes les informations scientifiques, etc., l'inaction, c'est l'obsession pour la poursuite de la croissance économique qui passe du coup devant tout le reste et qui consiste donc à continuer d'aggraver les causes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de destruction de la biodiversité, etc. etc. Donc voilà moi, la conversation que je voudrais lancer, peut-être en donnant une définition de ce qu'est la décroissance. La décroissance, en fait, c'est le fait d'organiser démocratiquement, dans les pays riches à l'échelle internationale, la diminution volontaire de la consommation d'énergie et de matières premières dans la justice sociale. Autrement dit, tout le récit de continuité dont parlait Nathanaël tout à l'heure est un récit dans lequel on nous a raconté depuis très longtemps que pour qu'il y ait davantage de justice et moins d'inégalités, il fallait augmenter la taille du gâteau. Et c'est ce qui permettrait une meilleure redistribution. Aujourd'hui, en fait, la lutte contre le changement climatique et faire face à toutes les dimensions des problèmes de l'Anthropocène implique de considérer que la taille du gâteau est limitée, qu'elle doit même être réduite, et que par conséquent, la question du partage est encore plus importante qu'elle ne l'a été précédemment. Et justifie peut-être un point sur lequel je voudrais finir pour ensuite qu'on puisse échanger, qu'est la nécessité aujourd'hui de tordre le cou définitivement au discours qu'est le discours de l'idéologie dominante,
sur l'écologie punitive, l'écologie qui serait un truc de catégorie sociale supérieure contre les catégories populaires, etc. etc. Les mêmes qui tiennent ce type de propos sont dans le déni absolu de ce qui se passe sur le plan de l'inflation depuis plus d'un an. Ils font croire que l'inflation est principalement liée à la guerre en Ukraine. Et donc, il y a un côté, vous voyez, c'est un problème géopolitique qui serait sans aucun rapport avec les énergies fossiles et sans aucun rapport avec les problèmes de réchauffement climatique. La réalité, c'est que l'inflation, qui a des conséquences sociales monstrueuses actuellement en France, a commencé dès l'automne 2021. Dans ce qui s'est passé à l'échelle internationale après la pandémie de Covid, où il y a eu ce qu'on appelle un effet rebond spectaculaire, c'est-à-dire qu'après la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'économie mondiale avec la pandémie, il y a eu une espèce de gloutonnerie de retour de la croissance et de reprise qui a provoqué une surdemande en termes de consommation énergétique, qui a alimenté une augmentation extrêmement forte du prix des énergies fossiles. Et dans le même temps, il y a eu les impacts des grandes sécheresses et des vagues de chaleur. Vous vous souvenez peut-être qu'au Canada, à l'été 2021, il y a eu des vagues de chaleur qui ont conduit à mettre des humains dans des salles de refroidissement par rapport à ce que Nathanaël disait sur les températures létales pour l'espèce humaine, qui a eu pour effet une perte de récoltes agricoles très importante, qui ont elles-mêmes fait monter le prix des denrées alimentaires de base sur les marchés internationaux, qui explique qu'en fait, l'inflation, elle ne commence pas du tout en février 2022 avec la guerre en Ukraine. Elle franchit un nouveau palier avec la guerre en Ukraine. Elle commence dès l'automne 2021 sur le plan des produits alimentaires et sur le plan des produits pétroliers. Et donc, on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, les enjeux de décroissance, de réduction de la consommation d'énergie et de matières premières. On peut prendre de multiples domaines qui vont de la brocante qui est organisée ici, dans laquelle on va pouvoir trouver plein de choses qui sont très indispensables pour la vie quotidienne sans fabriquer des nouveaux produits, jusque l'isolation des maisons, l'isolation des logements, la diminution de la mobilité contrainte. C'est le fait, en fait, de réorganiser l'ensemble de notre vie collective en réduisant la consommation de matières premières et d'énergie qui permet de vivre bien en vivant autrement et qui permet d'améliorer la qualité de vie, en particulier des plus modestes et des catégories populaires. Voilà ce que je voulais dire pour lancer la conversation. Très bien. Donc là, on est déjà au cœur d'un débat autour de cette question de la décroissance. Je vais laisser à nouveau la parole à Nathaël pour l'inviter à développer un sujet de son choix. J'en profite juste peut-être pour rebondir sur ce que Delphine a évoqué autour de l'idée, effectivement, d'émotion. Il y a l'étymologie, je trouvais intéressante et à rappeler, en fait, ça vient d'un verbe en latin, emovere. L'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Et le risque, effectivement, avec les émotions comme la peur qu'on peut ressentir à l'écoute en fait, de ce portrait de l'anthropocène, c'est aussi de se couper de nos émotions dans une sorte peut-être d'apathie généralisée, apathos. Voilà quoi. Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est fondamental, c'est qu'en fait, là, on a parlé des émotions qui peuvent être celle d'une forme d'état de sidération ou de torpeur. Et en fait, c'est vraiment, alors je ne sais pas comment dire, prouvé donc par d'autres publications scientifiques que la peur n'est pas paralysante quand on voit le chemin de l'issue de secours. C'est exactement ça, effectivement, ne pas se couper de la donc peur. Il ne faut pas être, si vous voulez, dans le refus de l'angoisse ou dans le refus de la peur. En général, une angoisse ou une peur, c'est bien de la mettre sur la table et de la considérer et de la reconnaître. Mais c'est prouvé que c'est un élément déclenchant d'une mise en mouvement, en fait, d'une réaction.
si on voit un chemin pour faire face et qu'on voit une issue face à la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est la puissance des émotions positives et de ce que sont en fait aujourd'hui les aspirations profondes de tout un chacun. Et il y a en France, alors en particulier avec moi, je le ressens, en tout cas je le vois dans les Deux-Sèvres, avec ce qu'on a vécu lié au confinement pendant la pandémie, il y a une aspiration à vivre autrement, à avoir plus de temps, à avoir un travail qui a du sens. C'est aussi ce qui s'est exprimé avec très très grande force dans la mobilisation sociale contre la réforme des retraites, le refus d'une vie qui nous condamne à travail, consomme, meurt, d'avoir pas le temps d'une vie après le travail, en fait. Toutes ces choses-là sont les signaux aussi qu'il y a une envie de vivre autrement en donnant beaucoup plus de place aux liens humains, aux projets concrets sur les territoires, à la manière dont on peut créer des solidarités humaines qui sont l'inverse de tout ce qu'on nous a raconté sur la compétition, le fait qu'être épanoui à son travail, c'était travailler tous les jours jusqu'à 23 heures et envoyer plein de SMS le week-end. C'est l'inverse de ça aujourd'hui qui travaille en profondeur la société française, et c'est quelque chose de très positif sur lequel on a des points d'appui pour construire des choses avec les gens. Merci pour ce complément. Je vous relaisse la parole. Ouais, ok. Là, en fait, vous voyez, on passe, on va dire, d'une écologie scientifique, c'est-à-dire en fait d'un constat, à une écologie politique, de se dire, bah, alors en fait, à partir de là, comment est-ce qu'on réorganise le monde pour permettre la vie entre nous, la vie avec d'autres, etc. Et donc moi, je suis complètement, enfin, je m'inscris complètement dans ce sillon-là, dans ce sillage-là, c'est-à-dire notamment autour de cette question de la décroissance. Moi, je suis pas socialisé dans des milieux décroissants. Ma socialisation, c'est le côté un peu autistique, ma socialisation, c'est les articles là, scientifiques. Et en fait, ce réel biogéophysique, il est sans appel du point de vue du régime qui est nécessaire pour garantir à un moment donné le respect des limites planétaires. Et ce régime, à un moment donné, bah, de fait, passe par un moment conséquent de décroissance pour pouvoir imaginer un monde qui soit complètement par-delà, en fait, cette question de la croissance, du toujours plus, etc. Moi, je veux bien vous proposer juste un petit panel comme ça des différentes choses qu'on entend dans notre quotidien. En fait, voilà, ces différents récits en lien avec l'écologie politique, en lien avec voilà, ce qu'on peut entendre sur les questions environnementales, etc. Moi, j'ai eu pendant tout un moment dans ma vie, j'étais vraiment marqué par ces savoirs-là. Ça a généré sur moi une forme de stupeur, en fait. Et puis, je suis entré dans un moment où toute ma vie n'avait de sens qu'organisée autour de dégager du temps pour lire et pour écrire, pour comprendre, pour écrire sur ces savoirs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Le monde n'est pas organisé à partir de ce qu'on sait. Il est organisé à partir de ce qu'on raconte. Et ce qu'on raconte, ça a parfois rien à voir avec ce qu'on sait. Voilà. Et parfois, ce qu'on raconte, ça nous continue de nous emmener pleine balle face à un mur. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu besoin d'essayer de cartographier ce qu'on raconte. Voilà. Et puis de sous-peser, de vérifier, de juger ce qu'on raconte. Et fondamentalement, juger ce qu'on raconte, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire permettre d'avoir des critères pour juger la politique. Et ça me semble absolument fondamental, en fait, dans l'exercice de notre pleine citoyenneté, qu'on puisse apprendre à juger la politique avec des critères. Voilà. Alors, dans cette cartographie comme ça des récits, le premier, c'est le récit mensonger. Bon, ça, c'est facile. C'est le grand vainqueur, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un monde dans lequel le récit mensonger a triomphé, c'est-à-dire en fait il a généré une inaction climatique. Alors on ne va pas passer des plombes sur le récit mensonger, on a le champion du monde du récit mensonger, c'est Donald Trump, on a des vrais champions du monde français avec Claude Allègre,
ancien ministre quand même de l'Éducation nationale, c'est quand même un grand champion. Luc Ferry, c'est un grand champion aussi, voilà, ministre de l'Éducation nationale, c'est pour dire combien on a une grosse couche de crasse là sur nous là, en termes d'ignorance, j'entends, voilà, et d'absence des savoirs bioclimatiques et de ce paradigme de rupture dont on a parlé dans la formation de chacun de nous comme citoyen, quoi. Ça c'est voilà, bref. Récit mensonger, évidemment, on a des responsables, hein, on a l'ampleur de la puissance des lobbies, et alors vraiment, on en a qui sont des grands génies, hein, c'est les lobbies de l'industrie voilà, pétrochimique, et puis des cigarettiers aussi, voilà, c'est les grands, les champions du monde des lobbies. Et puis on a aussi tout le jeu médiatique où à un moment donné, nos médias, alors maintenant ça change un petit peu là, heureusement, hein, ces derniers temps, hein, mais un show médiatique, on invite un expert qui va nous parler du système Terre, et après il faut vite donner la parole à quelqu'un d'autre qui va penser l'inverse, mais en fait qui n'y connaît rien. C'est comme si à un moment donné vous aviez un cours de je sais pas quoi de français, on vous parlait du participe passé, etc., puis après il fallait tout de suite donner le micro à quelqu'un qui allait accorder le participe passé autrement, quoi. Enfin, oui, bref, ça va pas d'allure, quoi. Bref, deuxième type de récit, on peut l'appeler, allez, le récit chinois. Pourquoi? Parce que la grande puissance de la Chine aujourd'hui a pour ambition de faire émerger une nouvelle civilisation écologique, mais en ouvrant des centrales à charbon. Les centrales à charbon, il n'y a rien de pire. Alors, voilà, ouais. Et en étant le leader en plus du durable, voilà, mais du durable version business, quoi. Voilà. Alors, pour moi, c'était important d'essayer d'explorer ce qui se passait en Chine, parce que moi, j'entends régulièrement de la part des étudiants, quand on parle comme ça des questions bioclimatiques, bah, monsieur. Il y en a à un moment donné, à tous les coups, hein, il y en a un dans l'amphi, il se dit, oh putain, mais en fait, c'est nos démocraties qui nous ont mis dedans. Donc, faut trouver autre chose, faut aller chercher ailleurs. Côté, alors soit il y en a qui disent, bah, monsieur, faut tout faire péter, insurrection, révolution, voilà, la violence comme moyen légitime de l'action. Et puis, une deuxième façon d'envisager la violence comme moyen légitime de l'action de concert, de l'action politique, c'est d'aller chercher du côté de la dictature. Ah, est-ce qu'une petite dictature verte à la chinoise, ça ne le ferait pas, quoi. Voilà. Alors, quand on regarde de près ce qui se passe du côté d'une dictature, ben, en fait, un pouvoir fort, ça ne peut être centré que sur lui-même. Un pouvoir fort, ça ne peut pas être centré sur autre chose que lui-même, à savoir la pérennité de l'aventure humaine sur la Terre. Ça ne marche pas. Le pouvoir fort, il gicle, en fait, dès lors qu'il n'est pas centré sur l'exercice de sa propre domination. Bon, je fais un peu, j'y vais au pas de charge, là. Un troisième type de récit, mais là, c'est franchement une religion, mais une religion qui se développe en ce moment en France, c'est incroyable. C'est le récit ou la religion californienne. C'est-à-dire, en fait, là, c'est de se dire, mais... Bon, ok, c'est la néolibéralisation du monde et de la nature qui nous a mis dedans. Voilà, on est dans une ornière. Mais il faut poursuivre la néolibéralisation, c'est-à-dire en fait la dérégulation, dans l'espoir que ça fasse pondre un génie qui lui-même puisse nous faire pondre une technique disruptive qui puisse nous retirer de l'ornière dans laquelle la dérégulation nous a mise. Voilà. En gros, c'est de dire à un moment donné, la technologie va nous sauver. Pour l'instant, les technologies dont on nous parle, c'est quoi? C'est des pansements sur un cancer. En fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler le techno-solutionnisme. C'est-à-dire, penser qu'une solution globale, qu'on peut trouver une solution technique globale à un problème qui soit voilà, global, systémique, etc. Ça, de fait, ça ne marche pas. C'est une illusion. Puis il y a un quatrième type de récit, et on est nécessairement porté aussi par ce récit-là, et puis j'ai envie de dire fort heureusement, c'est un récit, on va dire, bisounours. Alors, bisounours, mais pas que. C'est à un moment donné de se dire, mais en fait, ce qui va le faire, ce qui va garantir la suite de la vie humaine en société, c'est que chacun change ses conduites de consommation. Je prends sur moi le devenir du monde et je change, je me convertis.
Loin de moi l'idée de dire ah, ça sert à rien, tous les petits éco-gestes c'est pourri, machin. Non, non, pas du tout. Non. C'est ce qui va générer à un moment donné, c'est l'ensemble de tous ces gestes-là qui, une fois agrégés, vont générer des bascules qui vont pouvoir amener des changements durables et du long terme. Ça, j'en suis convaincu. Mais le problème, c'est qu'il y a une instrumentalisation aussi de ce type de récit, et on le voit beaucoup, le pouvoir politique s'en délecte d'une certaine façon, de laisser aux citoyens la possibilité de... Mais en fait, si on te fourre tout le temps des pubs de Nutella, des pubs de SUV, des pubs... Enfin, à un moment donné, il faut politiser les questions environnementales et pas uniquement les laisser sur les épaules du citoyen. Le cinquième type de récit, alors là, c'est absolument excellent parce que vraiment, je vous encourage à aller voir sur la chaîne YouTube de l'Élysée. On a un YouTuber de folie. Enfin, il faut... Moi, j'ai passé des heures... Bon, hey, c'est pas Cyprien ou Norman, hein, ça plafonne à 7000 vues, mais enfin, dont au moins 15-20 de ma part. Donc, parce que vraiment, je les ai regardés, vraiment, c'est exceptionnel. Alors, on a un type, donc, de fait, Emmanuel Macron, enfin, moi, je suis affilié à aucun parti politique, enfin, si je vous dis ça, c'est à un moment donné d'analyser comme politiste, d'essayer de comprendre le discours, le récit, etc. Qui nous vend des voitures vertes? Alors, des voitures vertes, à part une voiture construite en feuilles de chou, une voiture verte, c'est une voiture peinte en vert. Enfin, voilà. Une voiture verte, une voiture électrique, c'est quoi, en fait? De fait, c'est une blague. C'est, de fait, il y a un bilan carbone qui est un peu inférieur. OK. Mais une solution qui serait vraiment efficace, si on voulait absolument contenir l'emballement bioclimatique, bah, ce serait de réduire la taille des bagnoles, point 1. Point 2, que les constructeurs, à un moment donné, ils soient obligés de louer des bagnoles. Comme ça, ils nous feraient des bagnoles qui durent 50 ans plutôt que des bagnoles qui durent 8-9. Et puis ensuite, qu'on réorganise à un moment donné l'ensemble du parc automobile et pas simplement qu'on investisse comme un nouveau levier de croissance la production de super usines à batterie, etc. Quoi. Voilà. Là, on a affaire à un récit qui est pervers, c'est-à-dire un récit qui dit Make our planet great again, c'était le voilà, et qui à côté fait autre chose. Voilà, on réintroduit du glyphosate, etc. Et en fait, la Terre, le système Terre est insensible à la communication politique. Il est sensible au droit, mais il est insensible à la communication politique. Et moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille à un moment donné, de voir l'ampleur d'un récit pervers. Alors, notre président actuellement, il n'a pas du tout. Si on regarde Trudeau, etc. Enfin, il y a pas mal de chefs d'État comme ça qu'on peut passer en revue, qui sont vraiment dans ce double discours. Ça a été en fait de lire des rapports qui ont été produits par toute une administration, à certains égards peut-être certainement compétente, et postés sur le site de la transition écologique. Et quand je lisais ces rapports sur la diminution de la biodiversité en France, etc., en fait, ça ne me faisait rien. Là où ces articles-là m'ont bouleversé au niveau existentiel, avec cette question des limites planétaires, etc., j'apprenais sur des rapports des éléments, évidemment, il y avait des éléments vrais. Il y avait tout un tas de chiffres, mais ils n'étaient pas organisés de façon systémique et organisés autour de ces paradigmes de rupture. On pouvait apprendre qu'il y avait 55% de chauves-souris qui avaient disparu là, les 15 dernières années. Mais enfin, moi, comme je ne mange pas de chauves-souris le matin au petit-déj, de fait, ça ne vient pas me plomber. En fait. Voilà. Là où la diminution des rendements agricoles, etc., en lien avec des transformations systémiques et globales, bah, moi qui aime bien manger, de fait, ça vient me faire quelque chose. Quoi. Et puis le dernier récit, je ne vais pas en parler, je vais arrêter là, c'est celui qui est vécu ici et maintenant. C'est un récit alternatif qui politise les questions environnementales, qui les fonde dans le dur, dans l'article 1 de la Constitution, dans la législation, etc., pour que ne soit pas laissé à chacun la liberté d'être plus ou moins sobre, si ça ne vous gratte pas trop le cou. Hein, on a eu cette séquence-là l'automne dernier, mais qu'à un moment donné, les choses soient fondées dans la loi, quoi. Voilà. Et débattu à l'Assemblée démocratiquement, quoi. Merci. On va continuer ce débat. Moi, j'avais préparé quelques questions, mais je vais surtout en fait vous laisser intervenir et puis poser donc à Nathalie ou à Delphine toutes les questions qui vous traversent l'esprit. J'avais parmi les questions, je vais en poser peut-être que deux en fait, hein, sur la liste d'une dizaine que j'avais. Commencer à rédiger. Pourquoi, malgré l'urgence bioclimatique, malgré le fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui commencent à avoir une conscience de ces problématiques, pourquoi
une telle inaction politique et un engagement citoyen, somme toute porté par des minorités actives, mais qu'est-ce qui fait qu'on rencontre quand même des difficultés en fait à mettre en œuvre en fait la transition? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est quoi ces verrous en fait qui nous empêchent de transformer nos modes de production, nos modes de consommation? Pourquoi une telle inertie dans cet ancien système? Parce que l'obsession pour la croissance économique est le point commun de tous les programmes politiques, de toutes les forces politiques depuis des décennies. Donc avec, si vous voulez, un point commun qui est en fait celui du rapport au productivisme. Alors, les uns étant libéraux et donc racontant que le ruissellement naturel de l'augmentation de la croissance va résoudre un certain nombre de problèmes et améliorer la situation de tout un chacun. Les autres racontant que l'augmentation de la croissance économique va permettre de réduire le chômage et de réduire les inégalités et de redistribuer les richesses. Mais il y a un point commun. Le point commun, c'est qu'il faut que la croissance augmente. Et que ce fondement-là n'est pas remis en cause, n'est pas questionné, n'est pas interrogé. Et c'est un fondement très, très, très profond qui, pour celles et ceux comme moi qui sont issus d'une tradition de gauche, figure dès la première ligne du manifeste du Parti communiste. Parce que quand on vous raconte que l'histoire des sociétés humaines, des origines à nos jours, n'est que, j'insiste sur le mot que, l'histoire de la lutte des classes, on vous raconte qu'en fait l'histoire humaine, c'est l'histoire des humains entre eux et des rapports de force entre les classes sociales d'humains, indépendamment de la planète sur laquelle ils vivent. Indépendamment de la nourriture qu'ils mangent, de l'eau qu'ils boivent, de la température qui a rendu quand même possible un espace de sécurité pour que l'espèce humaine s'épanouisse et se développe sur Terre. C'est ça, en fait, le grand récit dont nous héritons. À longueur de journée, la publicité, la société consumériste nous tabasse que le progrès, c'est de posséder de plus en plus de choses, que exister passe par le fait de consommer, etc., etc., etc. Donc, en fait, le blocage politique fondamental, il est là. Et donc, c'est ce qui nourrit le récit californien, le récit bisounours, le récit pervers, dont on a eu un exemple récent. Peut-être certaines et certains d'entre vous ont entendu parler du rapport Pisani-Ferry sur, en gros, l'économie et les enjeux climatiques. Bon. Et ce rapport dit qu'il faut investir, dit qu'il faudrait créer un impôt spécial, dit qu'il faudrait s'endetter, etc. Et donc, certaines et certains ont réagi dans le débat public, comme le gouvernement actuel a tout de suite fermé la porte aux propositions de ce rapport. Certains ont réagi en disant que ce rapport était super, qu'il fallait s'en inspirer, qu'il fallait l'écouter, etc. Bon, moi, c'est pas du tout mon point de vue. Parce qu'en fait, déjà, il y a un problème rien que dans le titre. Le titre du rapport, c'est « Les incidences économiques de l'action climatique ». Donc déjà, si vous voulez, le point d'entrée, c'est pas la vache, comment on fait pour rester vivant, c'est combien ça coûte à l'économie. Ensuite, dans l'ensemble du rapport, qui, avec ses annexes, alors je ne sais plus si c'est 500 pages ou 1000 pages, mais bon, ça doit être 500, parce que ça fait en gros une ramette de papier à 4, il y a zéro fois le mot limite planétaire. Dans la synthèse, qui résume, si vous voulez, le propos, le point de vue, etc., il y a zéro fois le mot biodiversité. Il y a zéro fois le mot eau.
qui est le plus grave problème écologique de la France. Et qui n'est pas lié au changement climatique. Si vous voulez, on pourra en parler parce que c'est assez fondamental à comprendre. C'est-à-dire qu'avant que le changement climatique pousse à son paroxysme une situation de pénurie d'eau, il faut comprendre qu'est installée en France depuis des décennies une surexploitation de la ressource en eau qui a provoqué les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question sur la nature du blocage, en fait, on voit bien qu'au travers de tout ça, c'est toute une manière de comprendre la situation dans laquelle on est et de voir le monde. Si on continue de courir après la croissance économique, ça veut dire très concrètement, donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas pour la décroissance depuis que j'ai 14 ans. Je pense que c'est important que j'explique ça. Je me suis forgé la nécessité et j'ai franchi la barrière de se dire, bon, ben, si c'est ça qu'il faut faire, en fait, il faut l'assumer, il faut le dire, et ça suffit d'être pour la décroissance, mais de penser que les gens ne sont pas prêts de le comprendre et ne peuvent pas l'entendre et qu'il faudrait présenter un truc un peu plus sympa et je ne sais quoi. Bon, parce que, en fait, dans le concret des décisions, c'est-à-dire que moi, je suis députée à l'Assemblée nationale, j'ai un débat avec la majorité actuelle sur la loi climat au moment de la Convention citoyenne pour le climat, et on discute, par exemple, de l'avenir du secteur aérien. Ce que prévoit l'industrie du secteur aérien pour les années qui viennent, c'est de multiplier par deux le trafic aérien à l'échelle de la France et à l'échelle internationale, alors qu'en fait, aujourd'hui, le trafic aérien... les chiffres officiels, c'est que c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, c'est 5 ou 8% des émissions de gaz à effet de serre si on tient compte d'un processus qui s'appelle le forçage radiatif. Donc, en fait, il faut organiser la diminution du trafic aérien. Et donc, en fait, quand vous regardez très concrètement toutes les décisions dans tous les domaines, on en revient à cette question fondamentale. Est-ce qu'on organise la diminution ou la sortie d'un certain nombre d'activités néfastes ou le renoncement à un certain nombre de projets destructeurs et, en revanche, la croissance de l'éducation, de la culture, des solidarités, du lien humain dans plein de domaines. Tout ce qu'on avait entendu pendant la pandémie sur la question des métiers essentiels, voilà, c'est pas la décroissance de tout, c'est la décroissance de ce qui détruit. C'est en fait le nœud du blocage. En mai 2022, donc là je vais vous raconter un truc, c'est pas 1871, 1725 ou je sais pas quoi. En mai 2022, les lycéens, qui passaient leur bac dans le parcours de spécialité SES, sciences économiques et sociales, ils ont dû plancher sur le sujet d'examen suivant. Je vous jure, c'est vrai, allez regarder sur Google direct, parce que c'est fou. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Je le redis juste une fois. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Ça veut dire qu'on a, désolé pour les économistes dans la salle, des agrégés qui ont été validés parce que c'est en conformité avec le programme, tout simplement. Le fait qu'ils avaient entendu parler de limites planète Terre résultant de processus écologiques. Mais ils ont mélangé les trucs et donc du coup, ils ont des limites écologiques et avec l'innovation qui peut les repousser plutôt que de dire mais en fait, la limite, c'est pour reculer. Voilà. Et donc, on ne va pas se mentir. Ça, c'est quoi ? Ça a un nom. Hein. Ça s'appelle de l'obscurantisme. Comment est-ce que l'école républicaine peut viser une émancipation si elle est enlisée dans des logiques obscurantistes ? Je ne dis pas que tous les programmes sont obscurantistes, mais il y a des poches de fait d'obscurantisme qui entravent, à un moment donné, une pleine et complète émancipation. Et ce qu'il faut bien identifier aussi, c'est le pouvoir politique actuel.
On a eu des citoyens qui sont allés à Sainte-Soline. Moi, j'ai un doctorant non-voyant qui était là-bas avec sa canne, et qui fait une thèse sur la question de la violence en anthropocène. Et donc, il était là-bas pour faire son terrain d'investigation. Il s'est pris une grenade en pleine face. Et comme il a de l'humour, il dit qu'ils ont essayé de rendre sourd un aveugle. Bref, c'est pas de moi, je ne me serais jamais permis ça, mais de fait, il a écrit un petit papier là-dessus. Donc, on a des citoyens qui sont allés à Sainte-Soline, et le gouvernement qui a requalifié en terrorisme l'exercice d'une citoyenneté. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Une dernière petite question, peut-être, et puis après, je ne sais pas, j'avais dit que j'en posais trois, j'en posais deux. Hein. Une question peut-être un peu personnelle. Moi, je sais que j'étais fortement sensibilisé en fait à ce discours autour de l'idée de la transition à partir d'un ouvrage, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. Et j'avais une question autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux imaginer des politiques post-croissance ou bien versus des politiques post-effondrement? Autrement dit, faut-il se préparer à la catastrophe qui vient en allant construire des néo-communautés rurales en Ardèche, par exemple, ou plutôt, si on est plus survivaliste, des bases autonomes durables en Suisse romande. Bref, comment vous percevez-vous le discours collapsologique? Faut-il vraiment se préparer en fait à des scénarios comme ça aussi tragiques, ou au contraire, est-ce qu'on a encore suffisamment de temps comme ça pour imaginer des politiques post-croissance? Pour moi, c'est hyper simple ce truc. Chacun réagit comme il veut, comme il peut, comme il le sent. Voilà. Moi, il y a un truc qui est, je ne peux pas faire autrement. C'est il y a un combat, il y a un champ de force de politique qui respecte les limites planétaires, et puis de l'autre politique qui les nie. Donc il y a un combat. Moi, je suis dans ce combat-là. Voilà, mais je suis pas en train de préparer comment je vais me planquer, machin, je sais pas quoi, à titre personnel. Et ce qui va donner du sens, moi, à ma vie, basiquement, c'est d'être situé dans ce combat-là, tout simplement. Et puis après, chacun trouve du sens, etc. Alors moi, je suis dans une rhétorique un peu guerrière, bon, c'est une personnalité, voilà. Et puis d'autres peuvent être dans quelque chose un peu moins guerrier, un peu plus, je sais pas quoi, mais. Il y a un combat politique qui est là, qui est à conduire, qui est à mener. Ça marche? Ouais. Alors moi, pour moi, l'effondrement est déjà dans un certain nombre. Moi, j'emploie plutôt les termes, comme Dominique Bourg d'ailleurs, les effondrements que l'effondrement. Et pour moi, c'est déjà dans un certain nombre de domaines ou dans un certain nombre de parties du monde un fait constaté. Concernant la biodiversité, c'est déjà un fait constaté. Chez moi, dans les Deux-Sèvres, on a 85% des populations d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moyenne, mais dans certains types d'oiseaux, c'est 60% des populations en moins. Donc c'est et tout ça en 15 ans, 20 ans, 25 ans, donc à une échelle de temps qui est vertigineuse en fait. Bon. Donc on est effectivement dans une dynamique et une trajectoire d'effondrement, et si on poursuit, donc il y a toute l'inertie qui a été expliquée et l'inertie du système climatique, c'est-à-dire que réduire drastiquement, ce qui est indispensable, les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, ça écrit ce qui se passe pour dans plus de 20 ans, hein. Donc c'est aussi une des difficultés du sujet. Et par contre, ce qui se passe dans les quelques décennies qui viennent là est déjà joué et est lié aux émissions de gaz à effet de serre d'il y a un certain temps. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc oui, on est sur une trajectoire où le dépassement des limites planétaires conduit à une dynamique d'effondrement. Et de ce point de vue-là, en fait, on va vers une décroissance qui peut être subit des chocs par palier, par... Je veux dire, c'est pas Madame Irma, si vous voulez, c'est pas une prévision de l'avenir, mais c'est
inscrit dans le rapport Meadows il y a 50 ans, et c'est ce qu'on vit, et c'est ce qui se passera. Et donc la question qui est posée, en vrai, c'est pas pour ou contre la décroissance, c'est il va falloir de toute façon décroître, soit on le subit dans la barbarie et sans l'organiser, et c'est à ce moment-là terrible, soit de façon démocratique, collective, on est encore dans une situation où sur un certain nombre de choses décisives, on peut faire des choix collectifs. Pour moi, du coup, les enjeux dont on est en train de parler sont une question de sécurité nationale et de sécurité de la population. C'est un enjeu régalien de premier plan au sens où la base de toute constitution, d'État, de société, c'est d'assurer la sécurité de la population. Et pour moi, résilience et décroissance vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques de résilience, si vous vous posez la question à l'échelle d'une commune, s'il n'y avait plus d'énergie, comment on ferait ? Si l'eau n'arrive plus par tel endroit, comment on ferait ? Si on n'a plus d'essence, comment est-ce qu'on se déplace, etc. Toutes ces questions-là sont les mêmes, en fait, que celles qui permettent d'agir sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pareil sur la reconquête de notre souveraineté dans un certain nombre de domaines. Pareil sur le fait de relocaliser, par exemple, les productions alimentaires pour dépendre de ce qu'on peut produire sur son territoire pour se nourrir et non pas de trucs qui viennent d'Espagne où c'est la sécheresse ou de je ne sais où. Donc, en fait, les deux sont complètement imbriqués et liés. Il n'y a pas à choisir l'un par rapport à l'autre. Par contre, il ne peut y avoir de réponse que collective. Donc tout ce qui est survivalisme, etc., c'est une voie complètement sans issue et complètement illusoire, en fait. D'un certain point de vue, alors je vais peut-être choquer, mais c'est aussi ce qui est derrière les discours nationalistes ou même à tendance xénophobe, etc., c'est de faire croire que dans les problèmes planétaires communs au genre humain qu'on vient de décrire, on pourrait s'en sortir par le chacun pour soi. Alors, il y a le chacun pour soi vu chacun dans ses frontières, alors que, là, on parle de grands processus qui, par définition, sont d'échelle internationale et pas enserrés dans des frontières, ou le chacun pour soi à l'échelle locale. Et moi, j'invite chacune et chacun à faire l'exercice à l'échelle de son habitation, en fait. Parce que vous verrez que, en fait, sans solidarité locale, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que si vous dites, bon, comment ma maison, elle tient les vagues de chaleur, bon, alors vous allez l'isoler, etc. Ah oui, mais s'il y a plus d'eau. Donc, vous voyez, en fait, faites l'exercice à l'échelle d'une habitation. Vous voyez bien que s'il n'y a pas des choses organisées à une échelle collective, à l'échelle de la commune, du canton, du territoire dans lequel on habite, on sera en très, très grande difficulté. Donc, la question de l'effondrement et de la résilience va avec celle de l'entraide et donc des solidarités locales et de tout ce qu'on peut tisser à l'échelle locale, pas seulement dans une logique de se préparer à, mais déjà de vivre mieux aujourd'hui, de manger mieux, de se déplacer mieux, de perdre moins de temps dans les transports, de vivre dans des habitations mieux isolées, etc. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans une dynamique d'échange collective en faisant circuler le micro. Karine ? Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez tout de suite, comment on peut croire que nous, dans nos pays riches, avec nos modes de fonctionnement actuels qui ont en grande partie causé tout ça, on peut, par des élans qui viendraient de la politique, et sans changer de manière drastique et immédiate nos changements de mode de vie. Là, vous parliez par exemple de mieux isoler nos maisons. Est-ce qu'on ne va pas dans un mur en se disant « Tiens, j'habite dans 200 mètres carrés et pour respecter la planète, je vais mieux isoler ma maison. » On me propose de recueillir plusieurs questions avant de laisser nos deux invités y répondre.
Oui, moi je voulais réagir par rapport à votre réponse tout à l'heure quand Philippe Martin vous a posé la question sur l'impuissance des politiques pour agir. Donc vous avez expliqué que c'était par rapport à la croissance, etc. Et en fait, pour étudier la question moi, des lobbying sur un sujet personnel, parce que je m'intéresse au lobbying des notaires, c'est... voilà. Et en fait, je sais qu'en 2015, par exemple, ils faisaient pression sur les députés pour interdire la réforme Macron. Et vous, en tant que ministre et député, vous les avez forcément côtoyés. Est-ce que les lobbies, justement, ne sont pas un frein pour... Parce qu'en fait, on a l'impression, et je pense qu'on est beaucoup dans la salle, à penser que les lobbies sont presque devenus passés au-dessus du gouvernement, en fait. Donc, voilà. Okay. Encore une ou deux questions. Oui, donc la décroissance, oui, mais si on ne communique que sur la décroissance, c'est pas tellement mobilisateur, parce que ça fait fin de règne, fin de cycle, etc. Peut-être qu'il faudrait faire deux colonnes, ce qui doit décroître et ce qui doit croître, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire plus de relations, plus de coopération, plus de liens, etc. etc. Parce que si on ne présente que la fin, la décroissance, il faut aussi que les gens s'y trouvent. Comment faire pour que le pouvoir d'achat aussi ne soit pas... le pouvoir de vivre ne soit pas lié au pouvoir d'achat, parce qu'on en est là. Ce qui bloque aussi beaucoup les changements et les mentalités, etc., c'est que c'est l'histoire de fin du mois, fin du monde. Quoi. Les gens, ils veulent pouvoir assurer la fin du mois, le problème du pouvoir d'achat pour vivre. Actuellement, le pouvoir de vivre est lié au pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé ici, c'est toute la sphère financière, la monnaie, etc., qui nous détermine énormément. Bon, j'arrête. C'est une longue question. Une autre dernière question avant de... Oui, une dernière question ici. J'étais dans le déni politique, qui m'interpelle beaucoup parce qu'ils sont sur la même planète que nous. Ils ont les mêmes livres que nous. Bon, moi, je suis abonnée à Politis et au monde diplomatique, peut-être pas eux, c'est vrai, mais bon, il y en a d'autres quand même. Des fois, même dans le Figaro, ils en parlent. Je voudrais juste demander comment... J'ai compris dans votre discours, j'ai compris, une fois que nous tous, là, nous serons assez nombreux, ils finiront par capituler. Mais... ça fait maintenant 50 ans que je suis sûre, on essaye de dire envie à celui d'à côté, à celui d'à côté. Ça s'est développé, c'est vrai. Mais ils ne changent pas. On n'est pas assez encore. Et à l'allure à laquelle ça avance, je pense qu'on sera dans l'effondrement total avant de les faire changer d'avis dans ce cas-là. Ou alors il sera trop tard. Je voudrais juste donner un exemple. Moi, j'habite à Saint-Sylvain-d'Anjou. J'y suis arrivée il y a 34 ans. Il y a 34 ans, le programme dans ce village, c'était le village parc au bord de la ceinture verte d'Angers. Et aujourd'hui, le programme, c'est la route de Paris doit devenir un axe urbain, un boulevard urbain. Je pense que ça donne une idée qui me fait dire, ben, dis donc, pendant 50 ans, je ne sais pas ce que tu as foutu, mais ça n'a pas avancé à grand-chose. Très bien. Merci. On va laisser à nos deux invités le soin de répondre à ces quelques questions. Peut-être avant de vous redonner à nouveau la possibilité d'échanger avec eux. Donc moi, je ne vais pas pouvoir parler de mon expérience concrète des lobbies quand j'étais ministre. Je peux amener un chiffre par rapport à cette question de décroissance. Dans le cadre des accords de Paris qui ont été signés en 2015, là, on nous dit qu'il faudrait qu'on arrive à contenir l'empreinte environnementale, l'équivalent carbone par individu, pour qu'on arrive à 2 tonnes. C'est une unité de calcul. Et aujourd'hui, on est à peu près à 10. Donc, il nous reste 20 d'ici 2050. Donc, c'est-à-dire qu'il reste, si on prend juste cette unité-là de calcul, de mesure, qui a toutes ses limites par ailleurs, etc., bon, voilà, c'est juste une façon de prendre les choses, mais qui peut nous donner à voir un peu l'ordre de grandeur au niveau des échelles.
Ça veut dire diminuer par 5, diminuer de 80% notre empreinte équivalent carbone en 27 ans. Et aujourd'hui, l'empreinte environnementale, elle est proportionnelle au niveau de revenu d'un individu, à peu près, quoi. Et puis, le salaire médian d'un Français, aujourd'hui, c'est 1 800 euros, à peu près. Donc, vous voyez... Alors, le salaire moyen, il faudrait compter avec le salaire moyen, on est un peu au-delà de 2 000 euros, mais enfin bref, voilà. Vous voyez l'affaire, là, si vous avez fait le calcul là, dans votre tête, juste avec ces chiffres-là, alignés comme ça, enfin, je dirais à la SERP, et de fait, il peut y avoir des endroits de découplage de l'empreinte environnementale de la consommation énergétique. Mais ça voudrait dire qu'en l'état actuel de nos modes de consommation énergétique et de notre usage des flux de matière, etc., il faudrait qu'on arrive... à diminuer par 5 notre empreinte environnementale, c'est-à-dire en fait à consommer comme quelqu'un qui gagnerait 400, 500 euros mensuels. Enfin, voilà. C'est un ordre d'idée. Un économiste ici, là pour le coup, il dirait ben non, attends, là t'as oublié 2-3 trucs, et oui, de fait, j'ai oublié 2-3 trucs. C'est pour dire quoi? En fait, c'est juste pour dire, mais. Et par contre, c'est indispensable et impératif qu'on puisse continuer de vivre dignement sur la Terre. Mais c'est juste pour dire, mais en fait, il faut réinventer le monde et la vie. Il faut arriver à penser complètement autrement que la façon dont on pense aujourd'hui et dont on organise aujourd'hui le monde, la vie, la consommation, etc. Pour permettre à quelqu'un, de fait, de se déplacer, de se nourrir. Mais alors le type qui va nous dire, moi je vais lancer une nouvelle boîte qui va faire des super chaussures, machin, etc., qui vont être obsolètes en 2 mois ou machin, je sais pas quoi, ou une boîte de nœuds papillons, j'espère qu'à un moment donné, le législateur va lui dire « Attends, non, ça, c'était le monde d'avant, ça. Dans le monde d'après, on ne peut plus. Voilà, là, il y a une limite. Voilà. » Bon, bref, c'est juste 2-3 éléments lancés comme ça pour souligner, en fait, derrière cette question de la décroissance, c'est réinventer complètement et faire advenir un nouveau modèle économique qui permette de vivre ensemble sur la Terre et de façon digne. Oui, la question sur les modes de vie, pour compléter ce qui vient d'être dit, ça me paraît très important d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, on présente souvent les enjeux écologiques de façon caricaturale en les réduisant à des débats de mesure. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du sens, on ne parle pas du projet de société. On ne parle pas de tout ce dont on a parlé depuis le début de cette conversation. Et alors, ça se résume à pour l'éolien ou pour le nucléaire, pour la voiture électrique ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez un niveau de... Et en fait, ça conduit depuis 30 ans à ce que les politiques publiques dans ce domaine aient souvent été génératrices d'effets pervers. Alors, je vais prendre l'exemple le plus célèbre. Le Grenelle de l'environnement en 2008, au nom de la lutte contre le CO2, il décide de mettre en place le bonus écologique qui a conduit à la dieselisation massive du parc automobile français et notamment des petites citadines, la Clio, machin, etc., qui sont devenues massivement diesel. Moralité, on a aggravé les questions de pollution de l'air. Je prends cet exemple-là, pourquoi ? Pour dire qu'en fait, sur la question des modes de vie, notre sujet, c'est la gigantesque éducation populaire de l'ensemble des citoyennes et des citoyens, de chacune et chacun dans son métier, etc. Parce qu'une fois que chacune et chacun s'est approprié, c'est pas simplement le fait d'être informé, mais s'est approprié la compréhension d'un problème qui est un problème systémique global, à ce moment-là, dans ses décisions, dans son boulot, dans sa vie personnelle, etc., sont à même, si vous voulez, de ne pas partir sur des choses qui vont générer des effets pervers, etc., même si il faut aussi faire de la place à l'échec. C'est-à-dire, moi, je ne considère pas que le fait d'aller vers une solution qui finalement ne marchera pas, etc., ça fait partie aussi de la façon dont on construit des réponses. Mais donc oui, aujourd'hui, les politiques publiques, elles ont tendance parfois, par exemple aujourd'hui, c'est de dire on garderait le même parc automobile, on continuerait de construire des zones commerciales à l'extérieur des villes, on continuerait de faire que les gens habitent de plus en plus loin de là où ils travaillent, et on dirait à tout le monde, prenez un SUV électrique. Pardon, mais on est à 1000 années-lumière
en fait, de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord organiser la démobilité, c'est-à-dire permettre avoir une logique dans l'aménagement du territoire où on habite près de là où on travaille et d'avoir des véhicules pour les territoires où c'est indispensable, comme les Deux-Sèvres par exemple, qui sont beaucoup plus petits, et de mettre fin à l'autosolisme, qui est le truc qu'on peut faire demain matin, qui ne coûte rien quasiment comme argent public, et qui fait que chaque voiture qui circule tous les matins entre Mel et Niort, ben, au lieu d'être avec une personne dedans, on a trois ou quatre personnes dedans, et en faisant ça, ben, en fait, tout de suite, on divise par trois les émissions de gaz à effet de serre du trajet Mel-Niort quotidien tous les matins. C'est simple, c'est pratique, et en plus, c'est sympa, parce qu'au lieu d'être seul dans sa bagnole, on papote, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, etc., etc. Et par ailleurs, à la fin du mois, ça coûte moins cher parce qu'on a moins acheté de carburant, tout simplement. Bon, donc, c'est des choses très concrètes, très opérationnelles. Sur les lobbies, c'est une question centrale et qui s'est aggravée en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un poids d'un certain nombre d'industriels sur la décision publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la vague libérale des années 80-90, la fascination du secteur privé dans la très haute fonction publique, ce qui a été autorisé en termes d'aller-retour entre le secteur privé et le secteur public. Donc ça veut dire que, par exemple, actuellement, le directeur des affaires publiques du groupe Total est l'ancien conseiller industrie du président de la République, François Hollande, et que des exemples comme ça, on peut en prendre à peu près 400. Et que donc on est dans le fait qu'il y a eu, en quelque sorte, à la fois une réduction drastique des moyens de l'État. Donc, par exemple, moi, quand j'ai été virée du ministère de l'écologie, c'est parce que le ministère de l'écologie, il a subi la plus forte cure d'austérité de tous les ministères. Donc 15 000 agents en moins en 10 ans. Donc des ingénieurs, des prévisionnistes de crues, des agents de l'ADEME, etc., etc. On a été contraints, en fait, sur les effectifs, alors que vous voyez ce qu'on disait, on a besoin de compétences, on a besoin que l'État soit staffé sur ces sujets. Donc on a fait l'inverse, et d'un côté. Et d'un autre côté, au niveau des postes de direction, il y a eu un effondrement de l'éthique de l'État, c'est-à-dire du fait que c'est super et c'est glorieux de servir l'intérêt général et que c'est un choix de vie, c'est un choix de mission, en fait, et qui est glorifié par ceux qui dirigent. Bon, ben non, quand ceux qui dirigent ils trouvent que c'est mieux de bosser pour Total que de bosser pour l'État, il y a un problème. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème du poids des lobbies, c'est pas le problème de gens qui viennent avec un badge lobby rencontrer les députés à l'Assemblée nationale en disant bonjour, je suis Monsanto, je voudrais que vous autorisiez le glyphosate. Non, le problème du poids, parce que là on est, je veux dire, il y a un minimum de transparence, on sait qui est qui. Non, le problème de l'influence des lobbies, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux qui s'est installé au cœur de l'appareil d'État. Alors, si on refaisait l'histoire, on pourrait dire que ça a toujours été dans le complexe militaro-industriel français, etc., etc., hein, mais qui a pris une dimension nouvelle et qu'il faut régler, de mon point de vue, par une loi de séparation des lobbies et de l'État. C'est-à-dire qu'en 1905, on a fait la loi de séparation. Là, il faut faire une nouvelle loi de séparation des lobbies et de l'État et interdire ces mécanismes d'aller-retour, etc. Maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça directement tout à l'heure, parce que le fond du problème, ce n'est pas que le lobby fasse pression. Le fond du problème, c'est que le président de la République, le gouvernement, les députés cèdent. Et on a atteint, de ce point de vue-là, là, à l'heure actuelle, une dimension, moi, jamais vue. Hein. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, au moins, il y avait une espèce de... le fait de céder au lobby, c'était un peu honteux. Là, maintenant, on en est fiers. Ils en sont super fiers. Ils sont super fiers de céder au groupe Total pour l'aider à faire une bombe climatique en Ouganda. Ils assument complètement quand, par exemple, on dit, mais en fait, par exemple, l'atrazine, c'est interdit en France depuis longtemps. Ça a contaminé tous les cours d'eau, toutes les nappes phréatiques. Donc, pourquoi la France continuerait à autoriser la production d'atrazine sur son sol pour que ce soit vendu en Afrique? Ils disent, ouais, on défend les emplois de l'atrazine. Donc, voilà, ce qui est actuellement, si vous voulez, moi, je suis sidérée du fait qu'on assume, ils assument, de défendre ses intérêts. Donc, en fait, quand on va au bout de ce qui se cache derrière le fait de céder,
on retombe en général sur la question emploi, donc croissance, donc etc., etc. Et donc c'est pour ça que j'ai évoqué ce qui est le cœur en fait du problème, du pourquoi on cède à un certain nombre de lobbies. Je suis trop longue. La décroissance, en gros, c'est pas un récit qui embarque. Alors moi, je crois que si. Après, effectivement, il faut développer. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que toutes nos décisions, ce qui guide aujourd'hui, par exemple, quand on fait la loi de finances à l'Assemblée nationale, c'est l'indicateur PIB. Bon. Ce qu'on veut avec la décroissance, c'est enlever le PIB et remplacer par des indicateurs de bien-être humain. Donc, le nombre d'emplois, le pouvoir de vivre, la réduction des inégalités, la satisfaction au travail, la pleine santé de la population. Donc, un ensemble, en fait, d'indicateurs de bien-être. Donc, effectivement, ce n'est pas juste réduire ceci, réduire cela. Il y a une question qui est très importante, c'est qui doit réduire ? Donc, très clairement, au regard de ce qui a été expliqué, ce ne sont pas les catégories populaires qui, de fait, aujourd'hui, sont dans une forme de sobriété contrainte. C'est pas là qu'il va falloir faire le plus d'efforts dans un premier temps. Par contre, ce serait un mensonge de dire que y aurait pas d'efforts à faire pour personne. Donc la décroissance, oui, c'est un discours de vérité qui peut embarquer en fait par les solutions et les problèmes qu'il règle. Je vais prendre un exemple très terre à terre dans les Deux-Sèvres. Une nuisance quotidienne extrêmement importante pour les gens. Qui fait le lien avec la décroissance et qui fait que les gens comprennent l'idée de décroissance, c'est tout ce qui concerne la rupture avec le consumérisme. Les gens sont harcelés au téléphone des dizaines de fois par jour avec du démarchage téléphonique commercial. Et les gens le vivent comme un harcèlement qui porte atteinte à un truc fondamental qui est le droit d'être tranquille quand on est à la maison chez soi. Et en fait, c'est des choses, si vous voulez, très, très concrètes en fait, sur la dimension qu'a pris l'invasion publicitaire et la pression commerciale permanente dans notre société, qui fait un lien direct avec le fait qu'en fait, la décroissance, c'est aussi une libération, c'est une émancipation de tout un poids qu'on subit toute la journée. On est soumis à 2000 messages publicitaires par jour. Et quand, à l'Assemblée nationale, je fais la proposition de loi pour interdire le dernier truc qui se développe massivement, qui sont les panneaux numériques publicitaires. Bon. 95% des Français sont pour leur interdiction. Tout le monde comprend qu'en plus, dans un contexte où le gouvernement lui-même nous parle de sobriété énergétique et il faut faire un petit peu d'économie d'énergie, la consommation unitaire de chaque panneau publicitaire mis dans les gares, les métros, dans les vitrines des magasins, etc., c'est juste une aberration, en fait, sans parler de toutes les terres rares, etc., qu'il y a dans ces écrans. Et quand, en plus, on sait que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il ne faut pas exposer les enfants de moins de 6 ans à des écrans et que ça a des conséquences sur nos facultés cognitives et sur notre fatigue, notre stress, etc., d'être tout le temps soumis à des écrans, etc., on se dit que c'est le bon sens, en fait. Eh bien, ils ont, donc c'est là que je finis par le lien, ils ont nommé un rapporteur du groupe Renaissance sur mon texte, qui est lui-même un ancien employé de compagnie vendant des panneaux numériques publicitaires, et ils ont dit qu'il ne fallait pas voter ce texte parce que c'est de l'écologie punitive. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même quand vous avez un truc élémentaire, simple, qui est voulu par les gens en France, qui est la fin d'une nuisance, qui ne pose de tort à personne. Il n'y a pas de sacrifice à supprimer. On vient vous sortir le truc de l'écologie punitive. C'est pour ça que je voulais vous prendre cet exemple, parce que je pense qu'il est très éloquent. Pour illustrer la porosité entre les plus hautes sphères de l'État, les cabinets ministériels et puis les directions des entreprises du CAC 40, il y a un politiste qui a une terminologie, j'aime bien, il appelle ça les classes rapaces, voilà, pour signifier cette porosité-là. Et de fait, ça rappe un peu, classe rapace, mais ça dit quand même bien quelque chose, d'autant plus que, j'apporte pas grand-chose là au débat, mais depuis 1995,
enfin depuis 1995, hein, 38% de la production des richesses a été captée par 1% de la population mondiale. 38% des richesses créées au niveau mondial ont été captées par 1% de la population. Donc en fait, dès qu'on dit décroissance, en fait, on dit justice sociale. C'est le chemin le plus sûr pour garantir de la justice entre les uns et les autres. Quoi. Et alors, on a oublié la question sur l'immobilisme. En fait, il faut les remplacer. Croire que ceux qui sont à l'origine du problème et des politiques suivies puissent changer d'orientation est une illusion. Voilà. Donc, il faut les remplacer à tous les niveaux. De la commune au département, à la communauté de communes, à la région, à l'État et à l'Europe. Voilà. Et c'est possible. C'est la fameuse formule d'Einstein là, que vous venez de citer. On ne résout pas les problèmes de la même façon que ceux qui les ont créés. Ouais. Encore peut-être quelques questions de... Pour rester dans le politique, est-ce qu'on n'est pas dans la fin du politique des États et des... Vous venez d'évoquer effectivement au début de conférence, c'est un phénomène planétaire, on est sur une Terre avec une biodiversité. Bon, voilà, les solutions, elles sont donc planétaires. Or, on confie les solutions le plus souvent à des politiques élues à l'échelle nationale, à l'intérieur de frontières. Alors, on peut parler de lobby, on peut parler aussi de clientélisme politique, de la crainte de ne pas être élu, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas le constat de la fin du politique d'un État-nation ou d'un État à frontières ? Est-ce que la notion de crime contre l'humanité peut remonter au niveau de l'ONU ? Et est-ce que la solution ne passerait pas par là ? Tout à l'heure, vous avez parlé de déni qui se rapporte plutôt à quelque chose de psychologique dans le mécanisme. Et vous avez parlé aussi d'obscurantisme, où là, c'est plus dans la position dans la société. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plus souvent de négationnisme qui est plus relié à la responsabilité qu'on a dans le discours qu'on tient dans la société et aussi détruire un peu cette idée de climato-scepticisme et parler de négationnisme climatique ? Parce que les mots impliquent beaucoup. Une dernière question. Il y en a deux. Deux dernières questions, alors. Oui, moi, je vais mettre les pieds dans le plat un peu, puisque, en fait, c'est quand même... Tout ça, c'est un rapport de force. Et vous l'avez dit, les gens sont dus. On voit bien, les gouvernants sont du côté des riches. Je ne veux pas distinguer riches, pauvres, etc. Mais enfin, il y a un rapport de force. On peut travailler au niveau régional, on peut travailler au niveau local, on peut travailler au niveau régional, on peut travailler au niveau national, on peut travailler au niveau européen, au niveau mondial. Moi, je vais m'occuper que du niveau français. Je trouve quand même très dommage que la gauche, qui quand même, à mon avis, doit porter un peu plus cette attention à la justice, je trouve très dommage que la gauche n'arrive pas à s'unir, n'arrive pas à créer un programme commun. Hein ? Reprenons des vieux trucs, mais n'arrive pas à trouver un programme commun pour essayer de changer les choses. Voilà. Merci. Une question sur l'enjeu démocratique. Je voudrais juste partir de deux exemples, les bonnets rouges en Bretagne et un exemple plus récent aux Pays-Bas, où le gouvernement a voulu diminuer drastiquement le cheptel, hein, je crois, des porcs. Hein. Et la conséquence politique, ça a été une montée de l'extrême droite. Alors, je pars de ces exemples pour poser la question suivante. Comment emmener la population, justement, à changer les choses ? Il faut aller vers plus de sobriété, etc. D'accord ? Mais comment on fait pour emmener les gens vers quelque chose qui n'est pas forcément, à première vue, désirable ? Et donc, je pense qu'il y a un enjeu démocratique majeur et face à laquelle... voilà. On s'arrête peut-être là au niveau des questions. Il nous reste en principe 10... Merci beaucoup. Vous avez parlé de récits, vous avez parlé un petit peu d'autres exemples d'indicateurs qui seraient différents du PIB.
Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient nous mettre aussi en marche et qui sont peut-être plus petits, plus modestes, qui permettraient de faire monter des premières actions plus concrètes ? Ah, des actions concrètes ? Sur les indicateurs. Sur les indicateurs. Je commence. Bon, ok. Oui, on a besoin de solutions et de gouvernance internationale, évidemment. Et aujourd'hui, l'ONU. Je ne sais pas si vous avez vu les discours du secrétaire général de l'ONU. Il est cash. Il dit ce qu'on est en train de vous dire. Il dit voilà, l'humanité marche sur la route du suicide. Enfin, il ne sait plus comment secouer, alerter, réveiller, faire qu'il se passe quelque chose, etc., etc. Donc, le problème qu'il y a sur les cadres internationaux concernant notamment le changement climatique, c'est que le ver est dans le fruit. C'est-à-dire que il est écrit noir sur blanc. À l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qu'on n'a pas le droit de prendre des mesures unilatérales pour le climat qui porteraient atteinte à la croissance du commerce international. Donc, et en fait, si vous prenez, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Si vous prenez le code de l'éducation avec l'exemple du sujet du bac, le code de l'éducation, c'est une proposition de loi que j'avais déposée en m'inspirant du rapport du Shift Project sur le sujet. Le code de l'éducation, il dit que l'éducation doit transmettre alors, les valeurs de la République, la laïcité, les connaissances sur la compétitivité, la croissance économique. Bon, et en fait, quand vous regardez, si vous voulez, les règles, international, de l'éducation, enfin dans plein de domaines, c'est partout en fait, parce que c'est la mythologie qui a construit en fait le mode de développement actuel de nos sociétés. Donc on le retrouve absolument partout. À l'échelle internationale, la situation, elle est la suivante. Donc, moi, je soutiens aujourd'hui le combat pour notamment la reconnaissance de l'écocide et donc tout le combat pour que le droit international, évidemment, en fait, aille dans la direction de ce que vous disiez. Après, le problème collectif dans lequel on est, c'est est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une unanimité planétaire pour faire quelque chose ou pas ? Et souvent, on entend le discours, tiens, tu ne l'as pas recensé celui-là, le aquabonisme. Ou alors peut-être qu'il est dans un dé. Donc le aquabonisme, c'est, bon, la France, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, alors à quoi bon faire nous des trucs bien si tout le monde ne fait pas pareil ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça servira à quelque chose que nous, la France, on change de modèle si la Chine ne le fait pas, si les États-Unis ne le font pas, etc., etc. Alors d'abord, le raisonnement est faux. Puisque la moitié de l'empreinte carbone de la France, c'est des émissions importées. Autrement dit, quand on a délocalisé toute notre production industrielle en Chine, si vous voulez, on est co-responsable en fait, de ce qui se passe en Chine. Tout comme quand on nourrit notre bétail avec du soja OGM venu d'Amérique latine, ben, on est co-responsable de la destruction de la forêt amazonienne, etc. Donc en fait, l'empreinte française et des pays, par exemple de l'Europe, sur l'empreinte écologique planétaire globale, elle est considérable. Donc il est faux, vous voyez, de la relativiser. Et par ailleurs, on a une responsabilité historique considérable aussi. Donc on ne peut pas relativiser notre poids. Et par ailleurs, on doit mener un combat international évidemment déterminant en fait, pour qu'il y ait des réponses européennes et internationales à la hauteur du défi, mais il faut aussi commencer à un moment donné de faire, parce que c'est aussi la question de la preuve par l'exemple. Et là, pour moi, il y a une fenêtre dont c'est dommage qu'elle n'ait pas été prise à bras-le-corps, etc. C'est en fait la situation européenne de dépendance aux importations d'énergie fossile avec ce qui se passe vis-à-vis de Poutine, etc. aurait dû être le moment où, par exemple, en France, on dit on sort du gaz.
Donc, en fait, tous les ménages modestes, tous les HLM qui sont au gaz, il y a un plan avec des milliards d'euros où on remplace par de la géothermie, par des réseaux de chaleur, etc., et où on se débarrasse du coupe-gorge qu'on a là à être dépendant du gaz du Poutine ou du gaz des Américains, pour prendre des exemples. Sur le négationnisme, donc moi, j'utilise les mots soit climato-obscurantisme, soit climato-dénialiste, je crois qu'il est maintenant entré dans le dictionnaire, parce que négationnisme, en fait, le mot, pour moi, il est réservé à la négation de la Shoah et à tout ce qui a été... et tout ce qui reste encore, en fait, la négation... De tous les crimes contre l'humanité du nazisme. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai toujours une réserve à utiliser le même mot, en fait, pour parler d'autre chose. Et donc, il faut, effectivement, par contre, moi, je n'utilise jamais climato-scepticisme, parce qu'en fait, ce n'est pas un discours, ce à quoi on est confronté n'est pas un discours du doute, c'est un discours mensonger et obscurantiste, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Sur l'Union, oui, il faut s'unir très largement, mais il faut s'unir avec un contenu clair qui ne peut pas être le fait que nous serions pour une augmentation de 2% par an de la croissance du PIB. Donc, en fait, c'est ça la question. C'est une question de projet, c'est pas une question effectivement évidente de rapport de force et de coalition la plus large possible pour être en situation de changer les choses. Sur l'enjeu démocratique et comment emmener la population. Tout à l'heure, Nathanaël a parlé du modèle chinois, c'est-à-dire de la question de la dictature verte. En fait, bon, alors, non seulement la Chine n'est pas du tout un modèle, mais même par rapport à l'idée, vous voyez qu'il suffirait d'avoir un plan, d'avoir une planification et qu'une sorte de dirigisme d'État pourrait procéder aux transformations dont on aurait besoin en France pour les enjeux écologiques. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce que on a besoin d'une transformation profonde, durable. Donc vous voyez par exemple un gouvernement qui gagnerait, à supposer que ce soit possible avec un programme comme ça, bah, il tiendrait au pouvoir un an, deux ans, je sais pas, il y aurait les gilets je ne sais quelle couleur. Ça marche pas en fait. Ça ne peut pas marcher. La question, ce n'est pas juste, si vous voulez, d'avoir un gouvernement qui va prendre des mesures pendant deux ans, puis qui ensuite sera chassé du pouvoir. C'est d'avoir une transformation profonde sur plusieurs années, etc. etc. Autrement dit, rien n'est possible sans démocratie. Et le changement, c'est une interaction entre, effectivement, le fait, par un rapport de force, de gagner les élections, etc., mais aussi l'implication des gens, l'implication des territoires, des collectivités territoriales, des citoyens, chacun dans leur vie, dans leur entreprise, etc. Donc, c'est un changement culturel, en fait, d'ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'éducation populaire, que des choses qui se passent partout dans les communes, les fresques du climat, tout le travail des associations, la façon dont les organisations syndicales françaises sont en train de bouger, la façon dont ça bouge aussi culturellement, croyez pas, dans un certain nombre d'entreprises, c'est très important ce qui se passe. C'est ça qui construit une maturité démocratique à un moment donné, mais il n'y aura pas de transformation écologique de la France, ni de l'Europe, ni du monde, sans une adhésion populaire, en fait, profonde au changement. Et c'est pour ça que, pour moi, ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'émancipation, en fait, c'est-à-dire de comprendre que cette société, et notamment tout ce qui tourne autour du consumérisme, c'est une oppression en fait, qui nous dicte nos existences et qu'en fait, on sera beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux en vivant autrement. C'est une dimension effectivement fondamentale du combat. Les indicateurs, alors il y en a plein. Mais à mon avis, il faut les résumer donc, pour répondre à la question. Il y a deux indicateurs principaux, un indicateur qui est un indicateur d'empreinte carbone et le deuxième indicateur autour duquel il faut construire toutes les décisions publiques. C'est un indicateur qui est lui-même une agrégation de plein d'indicateurs qui s'appelle l'état de santé sociale de la France. Voilà. Et donc, en fait,
au lieu de courir après l'augmentation en volume de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme, eh ben, on courirait après l'amélioration de l'état de santé sociale de la France, qui est lui-même composé de plein d'autres indicateurs sur la réduction des inégalités, sur l'espérance de vie en bonne santé, qui commence à stagner, voire à diminuer. Par exemple, la mortalité infantile réaugmente en France, ce qui devrait être un scandale national dont on parle tous les matins. Voilà, des choses très concrètes comme ça, qui en disent long sur comment vont les gens dans un pays. Sans reprendre les questions comme ça les unes après les autres, je veux bien vous dire quelques mots comme ça que ces questions m'inspirent. Moi, je suis français et allemand. Il y a un moment politique dont je me souviens dans ma vie, c'est 1989-1990, la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne. Et vraiment, c'était. Puis je me souviens, mes parents nous avaient laissés avec mon frère et ma sœur à ma grand-mère. Ils étaient allés à Berlin tous les deux. Ils nous avaient ramené des bouts de mur. Ils avaient ramené des bouts de mur, mais trois fois rien. J'aurais dit, quand même, vous auriez pu ramener à un moment donné une grosse pierre, un truc. Alors, bref, ils m'avaient expliqué que c'était du béton armé, que c'était difficile à casser. Enfin, voilà. Ce truc du mur de Berlin, pendant des années avant, il s'est passé tout un tas de choses invisibles, de gens qui traversaient le mur, machin, qui allaient apporter des choses, des bouquins, des trucs, etc. Et puis, à un moment donné, le mur est tombé de lui-même, j'ai envie de dire. Voilà, il a pourri de l'intérieur, et puis hop, il a fallu deux, trois fois rien pour que le mur tombe, l'Allemagne se réunifie, etc. Les historiens, ils diraient que l'affaire est un tout petit peu plus complexe que ça, mais... en tout cas, moi, c'est un endroit où j'ancre sans complexe mon espérance. L'incidence avec ce qui se passe en ce moment, pour moi, c'est la suivante. Tout ce qui va se passer, là, comme ça, de transmission de savoir, de transmission d'un bon sens qu'on a perdu, de fait, en lien avec tout ce qu'on a dit, etc., à un moment donné, moi, je suis absolument convaincu que ces choses-là peuvent s'agréger et que des changements durables du long terme pourraient advenir. Je pense que là-dedans, dans ce processus-là, il y a une place non négligeable des savoirs. Des savoirs autant au niveau biogéophysique que sociopolitique. Là, on a articulé un peu les deux types de savoirs, hein, sociopolitique organisé autour de la justice sociale. Et moi, je rêverais un jour d'un ministre de l'Environnement qui essaye juste, évidemment, ça n'arrivera pas, c'est une petite blague, mais qui essaye à un moment donné de transmettre les savoirs biogéophysiques, qui fasse une conférence de presse tous les mardis, qui ramène à un moment donné les Rockström, les machins, etc., en blouse blanche, qui fasse des conférences de presse, puis après qu'il aille siroter une lèvre avec ses copains, enfin bref, qui ne cherche pas d'abord à déployer tout un tas d'actions, mais à informer. Je pense, c'est assez naïf, parce que plus on informera, plus les lobbies s'organiseront, bien sûr, mais je pense que les savoirs, ils peuvent quand même avoir pour fonction de venir toucher l'existence de certaines personnes qui sont engagées dans des systèmes mafieux et pervers, mais derrière, il y a des humains, et des humains qu'on peut aussi aller rejoindre. En tout cas, il y a une dynamique utopique comme ça chez moi, que je crois dans quelque chose comme ça. Derrière cette question des savoirs, fondamentalement, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à concevoir l'expérience démocratique, pas d'abord comme articulée à la notion de liberté, parce qu'aujourd'hui, être en démocratie, c'est quoi ? C'est je fais ce que je veux quand je veux, à part deux, trois petits trucs. Moi, je n'ai pas le droit de tuer, je n'ai pas le droit de faire deux, trois trucs comme ça, ok. Mais fondamentalement, c'est articulé à l'idée de liberté pour articuler l'expérience démocratique à la notion de limite. La démocratie, c'est quoi ? En fait, c'est boum, je me prends des murs, je bute contre des limites à ma consommation individuelle, des limites si je suis dans une entreprise à telle organisation, si je suis dans une collectivité, etc. Et je pense que les savoirs à cet endroit-là, ils sont déterminants pour arriver à transformer profondément l'expérience démocratique. Voilà. Juste en prolongement de ce que vient de dire Nathanaël, la question de la culture est fondamentale. Voilà. Si vous voulez, le propos de l'écologie politique en France, ça ne peut pas être que des graphiques et des raisonnements sur le budget carbone restant. Ça doit être de la joie, ça doit être de la fête,
ça doit être des auteurs, des pièces de théâtre, du sensible, de la beauté. Ce qui mobilise et ce qui peut mouvoir les gens, on n'a pas parlé des échelles démocratiques, des différentes échelles démocratiques. Moi, je crois qu'il faut par ailleurs changer le système. Mais sinon, avec le système institutionnel de la 5e, il n'y aura pas de changement dans aucun domaine, d'ailleurs. C'est aussi ça, en fait. En complément de ce qui était dit sur le savoir, je voulais aussi insister sur la dimension. Moi, je suis en plein accord. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent à l'heure actuelle sur ce que certains appellent l'écologie culturelle. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi pour embarquer les gens, pour partager des idées, d'être dans une croissance, en fait, de la culture et de l'intelligence humaine et du sensible. Je crois que ce sont des propos qui concluent magnifiquement cette table ronde et le sens que nous avons voulu donner à ce festival. Donc je voudrais remercier très très chaleureusement Nathanaël Vanhoenhorst et Delphine Bateau pour nous avoir rejoints, puis nous avoir partagé en fait ces moments de réflexion tout à fait passionnants. Et on continuera puisque l'année prochaine, on va organiser un festival des transitions numéro 2. Karine avait annoncé qu'il y a un point culture, livre, juste à l'entrée, en fait. Juste en sortant, en fait. Ouais. Vous y retrouvez Nathanaël, qui se propose, si vous le souhaitez, de dédicacer. Je suis désolé parce qu'on a oublié les bouquins de Delphine Bateau. Donc nous n'avons que les bouquins de Nathanaël, mais par contre vous pouvez les trouver en librairie, bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis comme on a parlé de décroissance, il y a un super bouquin moi que je vous conseille qui vient de sortir, celui de Timothée Paris, avec un titre un peu collapso, certes, Ralentir ou périr, qui est un travail très très intéressant autour de cette notion de décroissance. Merci à tous pour avoir participé à cette table ronde.